Mais Mais non, non, putain, l'ancien, ça vaut jure, quoi? ça vaut Et comment enfin, dire? cousin, Putain, t'étais cousin, où? tu T'étais où? manquais, bordel! J'étais à Chicago, j'étais au Qatar là! Pour de vrai? Ouais, j'étais au Qatar, J'aurais vu ta ouais. Mais non, mère. pas pour de vrai, mais Ah. non, mais non. J'aime Je serais bien vu. resté là-bas, parce que je serais revenu ici. Putain, bah. Bon appétit. Bon retour, frérot. Non, je buvais juste de l'eau. Merci. Tu m'as manqué, enfoiré. Ah ouais, toi aussi, cousin, t'étais là. Ah, Aucune nouvelle. cousin. Et on a pris ta pote, t'es refait? Ah, c'est pas, c'est mon petit gars, c'est mon petit gars, c'est mon gars sûr. Rappelle-toi, je disais quoi au début? Franchement, il charbonne, il en veut. Mais c'est C'est il un ou bon ou elle? pas? Moi, c'est pas, moi, c'est pareil. Ouais, Moi, je dis il, moi. il m'appelle il, je te Toi, tu jure. préfères Vous, que t'appelles c'est. il ou elle? C'est elle. Non, elle. Ouais, bah oui. Oui, non. Ah, mais Commence tu m'as pas, jamais Emir, dit ouais. ça, Amy. Si, non, mais tu m'appelles comme tu veux, mais Bah, c'est toujours il, moi. Déjà, je ressemble à un gars, alors si tu commences à m'appeler il. Non, mais tranquille. T'as des couilles, quoi. T'es un mec, quoi. Oh, Creepy, c'est comment? Putain, on m'a fait un petit topo là, tout ce qui s'est passé, c'est une Cousin, dinguerie, c'est ouais, c'est le sale, hein. Attends, j'appelle tous mes appels manqués, vas-y, j'arrive. Ouais, allô, tu m'as appelé? Qu'est-ce que tu veux, là? Oui, Tu pas là une soirée, celui. Vas-y, Qu'est-ce qui dis-moi, qu'est-ce qu'il y t'arrive? a? C'est pour que tu énervé? Qu'est-ce qui t'arrive, Creepy? Non, j'ai rien, vas-y, Énervé? dis-moi, dis-moi. Je voulais savoir, t'as pas un artiste qui travaille chez toi, là, Ghost, je sais pas quoi, là? Oui, Ghost Dog. Être ça un ghost dog là, parce qu'en fait, il y a une dame là qui m'a demandé si je connaissais cet artiste parce qu'elle aimerait, quand elle va faire une soirée bientôt, que je veux, enfin, elle veut que je l'aide à l'organiser, elle aimerait cet artiste. Je voulais savoir Ah, si tu as mis bah son ouais, il est numéro signé dans à mon cet label. artiste. Bah, c'est moi qui le gère, c'est moi qui gère tous ces trucs. C'est-à-dire, donne-lui mon numéro Est-ce que directement. tu veux que je lui envoie le numéro à cette femme? Oui, Je peux lui vas-y. envoyer? Ouais, vas-y, vas-y. Bah, très T'inquiète. bien. Vas-y. Vas-y, Vika. Dis à plus tard. N'en fais pas sicilien. De nous vite nos sous. Demain, c'est pas si loin. Les gars, j'avais appelé le daron, c'était pour lui dire quoi? Bon, allô? Ouais, allô? Si, ça dit quoi, là? Ça dit quoi? Ça dit quoi? On est là, Pépiros, tranquille. Mais c'est comment la petite virement ça? Je t'ai pas donné déjà? Non, même pas, même pas. Ah ouais, faut que je les passe. C'est combien déjà? C'est combien déjà? Bah, je sais plus, mais attends, déjà avant ça, la mission c'est bon toi là. Bah, cousin, non, du tout, hein. J'ai même pas eu un appel. Rien. Mais tu l'as chopé ou pas? Non, pas encore. Non, bon, la vérité, si. Plus là, allez, vas-y. Ah, cousin, En fait, toi, tu l'as déjà chopé, hein. T'as déjà Jersey, chopé. c'est histoire ancienne. Mais tes gars, t'as vu, ils l'ont même pas cherché, hein, parce qu'il était en soirée banale. J'ai pas eu un appel de tes gars, pas un seul. Attends, mais là, pour le pourcentage, là, c'est comment, là? Je vais trouver un truc. Je vais trouver un truc pour qu'on augmente. Laisse-moi réfléchir, je te recontacte. C'est Vas-y, bon? vas-y, on fait La ça, vie de ma mère et toi, si. t'es un. Cousin, on s'est mis d'accord sur son contrat, normalement, c'est bon. Tu es là, tu veux changer. T'as capté? Comme ça, on va plus becter. On va faire plus de sous. Laisse tomber. En plus, là. Non, je t'expliquerai, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. N'en fais pas sicilien. De nous vite nos sous. Demain, c'est pas si loin. Elle fait la grossiste alors que frère, c'est. Prends une voiture toi tout seul et va te chercher. Le bébé va venir, on va aller au label. Je vais lui expliquer un peu ce qu'il faut faire là. J'ai vu les commentaires, Ils t'ont échoué. Tu sais qu'après, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit t'es sérieux, tes potes, je sais pas quoi. Off. Ah, dommage, je peux pas voir mes likes. Bien vu, mon frère, bien vu, mon frère.
gros, mais ouais. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Depuis quand tu réponds? What the fuck? What the fuck, hein? Non, je t'appelle 10 fois, 50 fois, tu réponds jamais. C'est... Bon, je te rappelle même d'ailleurs, t'as l'air d'être très occupé, fils. What the fuck, j'ai jamais... Là, je viens d'avoir l'appel, là. Là, j'ai eu un appel de toi, hein. What the fuck, hein. Écoute. What the fuck, hein. T'es où, putain de merde? Ouais, t'es où? Je suis chez moi, comme d'habitude, moi. Là où t'es pas très apprécié, à ce qui paraît, hein, d'après les rumeurs qui courent. T'es où? Pas apprécié. Hein? Oh, putain. Bah, je sais pas, moi, j'ai entendu des histoires, hein, que visiblement... Moi, à un moment, en fait, je t'explique. Je me suis posé, tu vois, sur le toit, là, de mon bâtiment. Et je regardais le ciel, je me disais... J'ai plus souvenir, viens, on va faire un truc. Ouais. C'est peut-être moi le problème. C'est peut-être moi, je suis une merde, je sais pas, comment dire... avoir de bonnes relations saines avec ma famille. En fait, non. Je vois, ça se demande des rançons. Hein, ça part en couille, là. Toi et tous les... De quelle rançon, exactement? Ton embrouille avec. Ouais, à peu près, hein. Babou, merci, mon frère. Qui s'est mis tout seul dans la merde, Ardenne. C'est pas moi. Oh, je sais pas. C'est le dernier de mes soucis, hein. Enfin, moi, c'est. Ouais. Tu veux que je t'aide? Moi, tu me dis, hein. Non, j'envoie des gars, ils lui ballent dans la tête, hein. C'est terminé, c'est réglé, hein. Je sais pas si ça réglera le problème directement si c'est toi. C'est un problème un peu plus. Personnel. J'ai pas envie que tu t'y prennes à ton frère et que. Il pense que je lui ai tourné le dos. C'est pas contre lui, c'est contre ses manières de faire. Et malheureusement, il vient de se tirer une balle dans le cerveau tout seul. What the fuck? Tu peux le rigoler et tu peux le. Comment expliquer? Tu sais, lui faire revenir à la raison, je sais pas, trouver quelque chose. Perdu! Hey, ton frère, il est totalement perdu, il pense entre. Je sais pas, moi je. Il est le roi du monde. En fait, moi, votre embrouille, elle m'arrange, hein, je te mens pas. Hein, il est venu me voir en détresse, oui. Je suis dans la mer, je sais que tu m'aimes pas, mais je suis. Voilà, je vais devoir me barrer. Si je me barre, récupère tout, Watts. Voilà, t'es bien content. Moi, je disais, bah oui. Ouais, il est. Donc. Donc, l'histoire, au début, quand je l'ai entendu, j'ai dit, what the fuck. Mais après, moi, je suis gagnant, moi. Hein. Donc. C'est lui, Kelly. Pourquoi il est parti cambrioler, je sais pas quoi, il est con, hein. Rien, il peut cambrioler qui il veut, mais simplement il essaie pas de me mentir. Et après, peut-être que c'est toi qui as tout inventé aussi pour essayer de t'en prendre à ton frère. Bon. Non, pas de me mettre dans cette position-là. J'invente comment il a attrapé tes gars et tout, je peux pas inventer ça. Par contre. Monsieur Larden, t'es un bishop. Oui, mais je te jure, non. Moi, tout ce que j'ai fait dans l'histoire, c'est moi qui a trouvé que c'est lui. Mais, tes gars. Tu sais que je les appelais, je leur disais arrêtez de le suivre, arrêtez d'aller dans son quartier, ça va partir en couille. Au final, voilà quoi. Si tu veux savoir. Hein? Enfin bon. T'as dit quoi? Maintenant, ça va être le tour de tout le quartier de ton frère, là, ou du moins de ceux qui restent là-bas encore. Culés, ils savent pas ce qu'ils viennent se foutre dans le nez là. Pas de la coke, crois-moi. J'essaie de le raisonner. Parler. Bon, si ça t'arrange de ton côté, alors pourquoi je parle avec toi? Moi, j'aimerais bien parler d'avenir avec toi, peut-être. Par contre, ça pourrait être intéressant. Ton frère, je pense qu'il a voulu suivre son petit avenir à lui. Il veut faire qu'à sa tête et il pense qu'il est le roi du monde, mais... J'espère que ça le raisonnera. C'est Mercato, oui. J'aurais... Parce que là, il t'a demandé quoi? Par contre, je sais pas ce qu'il t'a demandé. Il t'a demandé quoi, là, pour tout ça? Ah, tu veux savoir réellement? Il m'a dit, écoute, maintenant, t'es comme tous les autres petits quartiers. Donc, si tu veux tes armes, tu me donnes de l'argent. Bon, tu me payes mes armes. Et paye combien tes armes? Voilà, ce qu'il a dit. Wow, la honte. Mais, la honte. J'ai très honte. Et du coup, voilà, si t'as des nouvelles sur lui, à la limite, ou de savoir où il est exactement, et t'es sûr de l'information, on pourrait s'arranger. Mais non, tu te le ramènes. Putain. Tu vas me faire le plaisir de savoir où ils sont, moi. Ouais, bah où ils sont, où je te le ramène, c'est pas pareil. Comme tu veux, hein. Mais qui? Tu vas me ramener tout un quartier, comment? T'as quoi? T'as le moyen militaire? Non, ça t'inquiète pas, je vais me charger de... C'est pas le problème, mais si tu peux me donner au moins l'information d'où est-ce qu'ils sont, parce que apparemment ils se cachent plus dans la tanière. J'ai l'air de comprendre ce qui vient de se passer. Le problème, c'est qu'il a compris un peu trop tard. Je lui ai dit, je te laisse 2 heures, tranquillement, prends ton temps pour réfléchir.
Peut-être que t'étais un peu trop matrixé par les gens qui sont autour de toi, tu sais. Les gens qui leur disent comme quoi, ouais, c'est le ghetto, c'est le quartier, c'est comme ça. Mais il sait pas à quoi il se confronte, le corps. C'est mon fils, ou peu importe, mais le business, c'est le business. Fais comprendre 800 fois. Donc, je vais lui faire voir qu'une fois que ses petits potes vont mourir un par un, qu'à un moment, il va falloir qu'ils réagissent. J'espère que ce sera pas trop tard. Tu veux quoi qu'ils réagissent? Il y a rendre les armes, c'est ça? Rendre les armes. Juste qu'ils comprennent. Prendre les armes, c'est terminé. Et plus de paix. Il a quoi? Il a volé quoi exactement? Je sais qu'il y a une MP5. Il y a quoi d'autre? Il a volé deux armes, de ce que j'ai compris. Largement suffisant pour me foutre la merde. Et encore plus d'essayer de me prendre pour la dernière des putes alors que j'essaie de m'excuser. Je peux comprendre qu'il a pu se sentir offensé. Ça reste mon fils. S'il s'est senti suivi, en plus par un trou du cul qui n'a jamais eu l'ordre de le suivre. Je m'en suis débarrassé. Non, moi je pense qu'il s'est... En tout cas, de ce qu'il m'a dit, hein, moi, c'est qu'il s'est senti trahi. En gros, le fait que son père, il envoie des gens pour l'attraper, je sais pas quoi, c'est ça, c'est pour ça. Lui que je suivais, c'était son gars, là. C'est le mec qui a mis le cambriolage. Mais j'ai prévenu, mais j'ai prévenu tes gars... Que ce gars-là, là, le Yagi, il est tout le temps avec Sony. C'est-à-dire, ça allait forcément... Quand ils allaient essayer d'attraper Yagi, ils allaient attraper Sony. Mais bon, après, bon, ça arrive, hein, c'est pas grave, hein, tu vas l'avoir. Dès que je le vois, moi, c'est je te le dis, moi. Ouais, attends, mais tu de quoi parler d'avenir et... Oh. Hein, tu comptes rester encore à Watts? C'est ça ton projet? Quoi, écoute, je pense... pourrait faire quelque chose. T'as des problèmes un peu avec la justice ou avec des gens un peu autour, actuellement. Des gens, enfin je suis en guerre avec Reyes, en guerre, en conflit. Et avec d'autres quartiers, moi, mais pas... Que... Rien de fou, quoi. Je pense que tu vas pas tarder à devoir évoluer un peu dans ce business. Tu veux que je me marie, c'est ça? Ah, toi te marier avec ta main? Tu l'as déjà sans toi, t'as pas besoin. Non, là j'ai acheté un truc là, c'est tu vois, les poupées en plastique. Ah ouais. Ouais. Bon, vas-y. C'est. Poupées en plastique. Après j'avoue que c'est pas bien parce que en fait faut le gonfler soi-même et c'est relou. Être souffler ça, mais sinon dès que c'est gonflé c'est parti. Hein. Vraiment avec des putains de poupées en plastique. Ah ouais. Hein. Faire avec des êtres humains. Ben j'ai fait aussi. Et vas-y, je me suis mis une fois en couple avec Chelsea. Toi, tu vois, c'est qui, Chelsea? Non, je connais pas. Bref. Et... Elle est, à un moment donné, je sais pas, elle s'est fait tirer dessus, donc elle était en fauteuil roulant. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Logique, je casse. Je lui envoie un message, je lui dis, écoute, là, t'es en fauteuil roulant, ça ne m'intéresse pas. D'être avec toi, j'ai pas signé pour ça, donc j'arrête. Du coup, ben là, ça m'a niqué avec tout le monde. Tout le monde a dit, ouais, je suis un fils de pute, je sais pas quoi. Alors que moi, non, j'avoue, je ne veux pas sortir avec une femme qui est en fauteuil roulant. C'est mon choix. J'ai droit. Non, papa. Mais c'est ton choix. Ouais, bah oui. Ouais, ouais, moi, voilà. Donc, je lui ai dit non, j'arrête. Et ben voilà, c'était ma soeur. Ça avait duré une semaine. Du coup, j'ai bien rentabilisé, hein. Mais ouais. T'es complètement baisé, ouais. Non, c'est... Bref, mais du coup, oui, quoi? Tu me dis, moi, t'as un truc à proposer, moi, c'est quoi? Du concret, je sais pas, moi, je suis... Je veux que tu entames une nouvelle... Tu t'entoures des meilleurs. Dites ce que tu pourrais leur faire. Ce serait le meilleur des plans Larden. Essaye de convaincre des gens de chez... De chez Clark. De venir chez toi, parce qu'ils vont être pas tardés dans être tous dans la merde, un par un. Crevez, les gars. Ils ont cherché la merde, et ils veulent sur... Les conneries de Clark jusqu'à la fin. Alors qu'on va aller devenir dans un petit quartier. J'ai un petit endroit bien mignon pour pouvoir enrôler un peu plus de personnes. Et je pense que ça te conviendrait à toi et à tes gars. Qu'est-ce que t'en penses? Au quartier. Ils ont une manière de travailler aussi. On pourra en parler un peu plus en détail. Mais d'abord, il va falloir un peu plus d'hommes. Pas 4-5 mécnos dans un quartier que ça suffira pour essayer d'entamer ta nouvelle vie. Tu comprends? Quoi, faut qu'on soit combien? Regarde, voilà, même HRP, je sais pas de quoi il me parle. 8, 9 minimum, quelque chose de solide. Essaye d'enrôler les quelques hommes que Clark a encore. Et s'ils me disent qu'ils sont enrôlés chez toi, je les buterai pas. Ouais. Je les fais jurer de travailler avec toi. À ce moment-là, épargne.
autres. Je les bute. C'est pas qu'un manque de respect, l'Ardenne, là. De prostituer son père pour deux armes. Est trop loin, désolé. Écoute, fais ce que t'as à faire de ton côté. Essaie de leur tourner le cerveau pour qu'ils ramènent dans ton quartier. Parce que pour eux, c'est déjà foutu d'avance. À part s'ils rejoignent tes petites troupes. Ça pourra calmer les choses. Ouais, je vais essayer, mais je leur parle trop mal, moi. Moi, j'ai un défaut, tu m'as trop mal appris, hein, de la sociabilité. Écoute, demande à un homme s'il préfère survivre. Promets que les réponses peuvent être très différentes. Mais qu'il y a une armée derrière eux. T'as de se cacher de tanière en tanière, mais crois-moi qu'on va tous les dénicher, hein, pas. Tout le monde va mourir. J'ai l'air bien, ils vont bien le comprendre. Alors, soit ils rejoignent tes troupes, soit ils rejoignent un bon coin au cimetière de Los Santos. Il y a de la place, crois-moi. Ouais, je vais faire ça, mais imaginons que ça fuite et que ça vient aux oreilles de Sony, et Sony, du coup, il rend les armes, il fait tout pour régler l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? C'est déjà trop tard, je lui ai laissé assez de temps. Okay. Parce que s'il se cache ou qu'il joue à cache-cache, c'est certainement qu'il a ses raisons. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'il a fait son choix à l'Ardenne. Il y a un truc que je vous ai toujours appris, c'est de faire vos propres choix. Lui, il l'a fait. Ouais. Non, dis-moi pas ouais, comme si tu m'avais entendu à moitié. Dis-moi oui, un vrai oui. Oui. Ok, très bien, parfait. Donc fais ce qu'il y a à faire et évite justement de foutre la merde. Et tu me donnes ta réponse pour le petit quartier que je te réserve, ok? C'est quoi, c'est un quartier ou c'est quoi? Un grand quartier, de quoi accueillir pas mal de monde, encore mieux que ton vieux quartier pitoyable à Watt. Avec le gouvernement du Sud. D'ailleurs, c'est quelqu'un que je vais placer là-bas, de ce que j'ai compris. Moyen de pouvoir avoir un peu plus d'aide pour le gouvernement du Sud. Hey, ok. Une question aussi. Est-ce qu'il y a un Amado qui est venu te parler? Mamadou? Non, Amado. Amado? Non. C'est quoi? Il ressemble à quoi? Ok, si Amado venait à te parler, d'accord? Tu n'as pas vu Bishop, tu ne le connais pas. Et il n'y a aucun problème avec lui, d'accord? Tu ne le connais pas, c'est pas ton père, c'est rien du tout. Entendu? Amado, quoi ça, c'est un con? Et toi, t'aimes trop traîner avec les blacks, hein? J'achèterais... Bah, c'est un putain de... Les deux que je croise, là. C'est un gars d'Amérique latine qui se raconte. Comment ça s'appelle? On habite ton père, là. Bref. Bah, vas-y. Au courant. Vas-y. Okay. Ok. Entendu. Ciao. Bon, allô. Allô. Je viens de péter Del Perro là. Tout à l'heure, ils suivaient Emile. Ils sont contre les murs. Tu veux venir ou quoi? Vas-y, envoie la peau. J'arrive. T'es pétardé et tout. Ouais, on est. Je ramène des calibres. Ouais, viens. Au moins, t'as déjà pour la soirée, mais vas-y, viens. Mais je ramène des calibres à des mecs avec qui t'es. T'inquiète, on est déjà équipé. On a fait ça. T'inquiète. Ok, vas-y, j'arrive. Des Hobson. Vas-y, Sam, là, t'es relou, toi. Sam! Waouh, putain, ouais! T'en as pas marre, là, qu'on t'attrape? T'as fait quoi encore? Qu'est-ce que t'as tenté de faire? T'as rien, cousin! Ta meuf, là, cousin, elle veut pas parler, cousin, on est là, on parle! On veut juste parler! Et un fils de pute qui m'appelle, là, et Marcel, le commandant du SPG, là! Ah! Hein, quoi, là? T'es en train de craquer sa grand-mère, là! Oh, ben, puis viens. T'es fou, ça, moi. T'as besoin de médicaments? Non, j'ai pas besoin de médicaments. Attends, là. Tu voulais faire quoi quand tu les as suivis, tu les as chassés? Attends, là, je voulais faire quoi? Je lui passais. On voulait rien faire, on voulait juste savoir c'était qui. On voulait savoir c'était qui, demande-lui, on voulait savoir juste c'était qui. Pas de... Même pas une parole, cousin. Pas un mot, rien, juste ça tourne en place d'équipe. Tiens, Sam, je t'ai passé des vitamines là. Ça s'est passé dans un. Allô? Dans un mauvais espace. Ouais. Eh, Guapo! Je t'appelle parce que je réponds pas. Ouais, appelle les ailes. Ouais, appelle quelqu'un qui les veut. Il va t'appeler tout de suite. Il t'appelle tout de suite. En fait, c'est le téléphone, mec. Déconne, vas-y. Vas-y, c'est bon. Je sais pas. Pas creepy. Ouais. C'est comment, y'a quelqu'un qui les veut, quoi? Non, mais ils ont rien contre moi. Eh, vas-y, ils ont voulu péter Amy et là, ils font les gars. Attends, on va les niquer. Viens, cuisine-les. Et puis tout à l'heure, ils font les gars. Ouais, on voulait juste savoir c'est qui. Je saurais jamais arrêter. On veut même pas parler. Attends, vite fait, j'ai un truc. Il faut être parano au moment quand. Et vous cherchez qui là pour poursuivre les gens? Et le bourreau. Ah, vous cherchez des gars d'El Bourreau?
Oui. Pourquoi vous êtes en embrouille avec eux? Parce que, cousin, ils veulent le revendiquer War Dogs, ils veulent le revendiquer Vinewood, qui nique leur grand-mère, cousin. Et War Dogs, à qui ça? Vous, Jean? Oui, on était là, cousin, et on vendait, ils veulent le revendiquer là-bas. C'est-à-dire qu'ils niquent leur grand-mère, cousin. Le problème, c'est que tout le monde se tient la poche à Vinewood. Et... l'autre, il nous a dit qu'il pouvait vendre là-bas, et il y a celui, je sais pas qui c'est. Il t'a dit ça, Tom? Les mecs d'Elbrou, ils nous ont dit, les mecs, ouais, il y a... ça quand? Il y a moins d'une semaine, il y a les mecs de Sony qui vendent là-bas, après nous dit ouais... Ah, ça a changé, ça a changé, ça a changé. Ah mais je t'explique le pourquoi du comment, tu vois. Il nous a dit ouais, si tu payes une taxe, vous pouvez vendre autant que vous voulez, non, non. Et les mecs de Reyes, ils arrivent, ils nous disent ouais, c'est chez nous. On dit ouais, c'est comment et tout. Et les deux, ils disent on a un accord entre nous. Je fais mais nous aussi, on a un accord. Après, du coup, on dit eh, ben, nique sa mère l'accord. Nous, on vous laisse votre zone, tapez-vous dessus si vous voulez. On va aller à War Dogs. On arrive à War Dogs, mais des bourreaux, ils disent ouais, en fait, on a laissé Vinewood et je sais pas quoi, l'université, maintenant on va à War Dogs aussi. On arrive à War Dogs, il y a des gitans du Nord, on leur dit ouais, c'est chez nous, les mecs d'Elbrou, ils sont attrapés par eux, ils disent que c'est chez eux, je sais pas quoi, et c'est pour ça, je... enfin, vous, on s'en bat les couilles de vous, je peux vous mentir. Non, lourd, boude pas, mon gars, tranquille. Non, je boude pas, c'est. Moi, je boude pas, hein. C'est juste là, t'as eu, ça m'a cassé les couilles, cousin. Compliqué, pendant trop 30 non, minutes, cousin. On m'a fait perdre du temps. Écoute, elle t'a fait perdre du temps. Là, tu nous fais perdre le note. Tu vois, je vais te dire, là, t'as voulu péter mon gars. Pas mon petit gars, là. Et moi, je t'ai dit, tu me connais pas, moi, c'est l'ancien. Là, maintenant, là, tu vois, vous allez apprendre à me connaître. Moi, je t'ai dit, là, vous allez poser une enveloppe sur la table. Moi, tu t'en prends un quelqu'un de chez moi. C'est Northwatt, ce bande d'enculé, d'accord? Moi, il y a personne qui touche quelqu'un de chez moi. Même par erreur ou quoi? Sur le 7, sur les potes morts. Sur les potes décédés. C'est-à-dire que quand vous, les gars, c'est ça, hein, tu suis la mauvaise personne au mauvais moment. Avec tes précautions, quoi, cousin, ça m'en fait comment, là? Je suis venu, tout ça, on est venu pour rien, là. J'en sais rien, cousin, c'est elle, elle a appelé tout le monde, là. Attends, tu m'avais pas menacé au dernier téléphone, toi? Ah, il t'a menacé, lui? Oui, ouais, c'est vrai, ouais, oui. On fait quoi, ça? C'est même au label, il faisait mal, non? T'as menacé, toi? Ouais. Sam, ouais. On fait comment, là, alors? La petite salope. Allez, on va aller rejoindre le palais des gangsters. Ma mère arrête de m'insulter. Je t'insulte, creepy. Je t'insulte. Moi, est-ce que t'as vu quand je te regarde dans le blanc des yeux, je t'insulte. C'est un truc qui me rend fou, ça, cousin. Descends d'un ton, mon gars. Descends d'un ton. Je descends d'un ton. Salope. Parce qu'il a pointé sur toi, là, mon gars. Non, Guépo. Arrête. On marche jamais dans le noir. Sam. T'as vu, là, on va tourner la page de notre conflit. On va serrer la main et on va travailler ensemble, faire du business. C'est une bonne idée ou pas? Est-ce que c'est une bonne idée, salope? Aiden, ouais, c'est ouvert, tu vois pas les... Regarde. T'as pas l'air si convaincu que ça, mon gars. Moi... C'est une bonne idée, j'ai pas le choix, de toute façon, cousin. Tu me braques, oui, donc oui. Ok, ça marche. Plus convaincant. Ah là là, Sam... Attends, je réponds à quelqu'un. Oh, on fait comment pour le petit gars là? C'est combien l'enveloppe? On se dit combien, même pas l'enveloppe. Vraiment, je lui propose business là. Genre... Ah, tu veux le proposer business? Ouais. Hey, tu cherches de la bleue, oui ou non? Oui, j'ai plus de fournisseurs, cousin. Calme-toi. J'ai rien, zéro. J'ai plus de jus, cousin. Comment ça se fait que tu t'as fait avec les cousins? Parce que cousin, tes people nation de fils de pute sont partis leur dire, et ils ont su qu'il y avait de l'arcane à eux, cousin, dans les rues, et basta, cousin. Ils ont dit, c'est mort. Oh, il m'a l'air instable, ton gars, là. Il m'a craqué, dit ma vie. J'ai envie de le canner, ton gars. Tranquille, je suis pas énervé. Quoi, tu produis de la mettre, toi, avec le bigot, là? Ouais, allô? Je crois qu'on fera un rendez-vous, il a pas de client, le pauvre, j'ai ouvert. Mais il fait pas d'annonce, il fait rien. Je sais pas, il fait pas d'annonce, je lui dis il fait pas d'affiche. En même temps, s'il veut pas jouer. Il y a personne là, c'est ça. Moi je me suis réveillé. On voit même pas que le palace il est ouvert. Vu, moi je savais pas. Je lui dis fais. Attends, je vais l'appeler, Vas-y, faut que tu tes clients réguliers, c'est bon. Bah oui, vas-y, attends, je l'appelle. Vas-y. Ma mère, voilà, ils savent pas gérer de trucs. J'ai fait autre chose. Ah non, à l'instant. Allô. Ouais, voilà. Creepy. Là, t'as ouvert, y'a personne qui est ouvert. Tu vois, y'a personne. Non, moi je suis ouvert là. Ça veut dire que si t'as pas de clients, c'est que toi tu gères mal ton truc. Ah non, y'a des clients là, y'a du monde. Eh, tu vas rester ouvert jusqu'à quand? Jusqu'à quand là, tu vas rester ouvert? Ah, jusqu'à 1h, 1h30. Après, y'a l'autre qui va faire l'after.
Mais ce qui s'est passé, en fait, je t'explique. J'avais annoncé mon after vendredi dernier. Et il y en a quelques... y a le comédien qui a ouvert en même temps que moi. Il vas-y, m'a vas-y, tranquille, 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 de toute façon, ça. Mais, ouais, regarde, là, comment ça s'appelle? Appelle, là, fais plein d'annonces. Fais plein d'annonces tout le temps. Non, c'est bon, j'ai fait des annonces. Eh, va voir sur le web, j'ai fait une affiche et pas le web, on s'en bat les couilles. Les gens, ils regardent pas votre web de mes couilles. Regarde, là, c'est les annonces, là. C'est comme ça que les gens voient. Mais après, je vais pas trop forcer non plus, hein. Mais y a pas de non plus, c'est ton travail. Ouais. C'est ton travail, donc fais les annonces parce que les gens ne sont pas au courant. Ils regardent pas les autres trucs. C'est-à-dire que si tu fais une annonce, les gens vont voir. Et plus t'en fais, bah plus les gens vont la voir. Parce qu'il y en a qui la vont, qui voient pas la première, ils voient la deuxième. Voilà, cousin. Ah bah, j'espère qu'il y en a pas qui vont pleurer hein, pour les annonces. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ah tu les renvoies bon, à moi, tu les renvoies à moi. Bah, vas-y. Je vais le faire, je vais le faire. Tu mais fais là, quoi, celui qui se plaint, t'as vu, donne-lui mon numéro. Donne-lui mon numéro. Je bouge pas. Bah appelle-le quoi. C'est bon vas-y, vas-y Spike, c'est comme vas-y. Ça que ça marche, je te jure c'est comme ça. Non vas-y. Mais après tu vois, je commence donc je sais pas ouais, comment vas-y, ça marche. Ouais vas-y, vas-y, fais ça, pas... t'inquiète, fais ça. En fait c'est logique, t'as vu, il y en a un il se réveille à 23, l'autre il se réveille à 23h30. Donc si tu fais l'annonce une seule fois, les autres la voient pas, tu vois. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas con. Bon bah ça va, vas-y, je vais la faire là, je vais la refaire. Merci, allez, ciao. En fait c'est parce qu'il y a des joueurs, ils se plaignent du spam du truc, mais ces mecs là, ils me foutent le démon. Ça vous coûte quoi des trucs là? C'est pour le bien du cerf. Ils ont dit quoi? Je sais pas, ils veulent nous voir, moi et toi, ils vont nous parler de plusieurs trucs, je sais pas. Bah vas-y, nous cale un rendez-vous. Hein. Ouais, j'ai dans 10 minutes. Mais ceux qui pleurent, ça se voit, c'est des mecs qui apportent rien. Et c'est quoi ça, frère? C'est pour le bien du cerf, parce qu'il y a la majorité des joueurs, ils vous regardent pas le Discord, ils regardent pas, ils sont pas autant impliqués que vous, tu vois? Donc envoyez l'annonce, regarde là je vois, hop il y va. Surtout pour les nouveaux joueurs, c'est trop important, c'est trop important. D'accord avec moi Scott. Et si ça, ça les gêne, eh ben frérot, déco-toi et joue sur un serveur solo où vous êtes deux frère. Et c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Ah mais lui il me fait, Creepy il me fait peur ton gars là, hein. Il est instable. Mais du coup, Sam, est-ce qu'on taffe, est-ce que tu veux de la bleue oui ou non? Bah, j'ai plus de fournisseur de bleue. Dagman, bah, moi je t'en propose, moi je t'en propose. Ouais. Bien. Pureté. Pureté au max. Pureté au max, $350. Pureté au max. Et combien en quantité aussi? Ah, cousin, prends et vas-y, hein, et on verra. T'as les épaules au moins ou pas? Bien sûr, j'ai les épaules, les gars. C'est pas. Là, j'étais en train de chercher le bourreau, cousin. Je tournais à Vinewood et la Buffalo, là. Et voilà, c'est tout, cousin. On est au mauvais moment, au mauvais endroit. Tu me suivais depuis Bordeaux, c'est un pas de Vinewood. Bordeaux, je sais plus. Je sais pas, je suis en haut de là, je tourne comme un ouf, parce qu'il veut le Wardox aussi, je fais aller-retour Wardox Vinewood. Bah, tu tournes comme un zinzin, quoi, ça. Ouais. On fait quoi? Vas-y, je t'en prends. T'en veux combien? Bah, faut que je regarde, j'ai combien, je sais même pas, j'ai combien. T'as vu, Sam, c'est pas tu tentes un truc ou quoi que ce soit, fais pas le con. Moi, je t'entraîne quelque chose, je te dis que j'ai pas de fournisseur, cousin. Vas-y. Toi, c'est gagnant-gagnant. Il y a un truc, on fait ça. Par contre. What's, mon gars? Tente quelque chose, fais un pas de travers. Et ferme bien ta gueule, surtout, hein. Ça a rien d'aller à un truc de travers. Ouais, surtout jure, mon ça, gars. Les gars, t'as vu? Surtout là, il y a vous trois, comment tu t'appelles, toi? Scott. Scott. Moi, c'est Brooks. Brooks et Sam. Scott, Brooks et Sam, là. On en a parlé là, ça ressort plus jamais. On est d'accord? Bon. Plus jamais. De toute façon, si ça fuite, les gars, vous savez comment ça va finir. Voilà. Sur la liste des homies dead. Tranquille. Pas besoin de les menacer. Non, tranquille. Tu fais quoi avec tes doigts, là, Sam? Je sais pas, mais je voulais dire, il tremble. À la il fait peur, là. Je suis tendu, cousin. Il en manque, frérot. Tranquille, ça va aller. Ouais. Y'a personne qui a un truc sur lui, là. Il en manque, le gars. Je t'envoie la pause dans quelques minutes, ok? Vas-y, je regarde, j'ai combien, je te dis. Tu me dis pour combien t'en veux. Vas-y, arriver, ça. Vas-y, les gars. Vas-y, on arrive. Double. Pas double. Je serais bien énervé de toi, double. Faites gaffe à vous, les gars. Double. Les gars, vous le voulez ou quoi? Ouais. Ma voiture, fils de pute là!
Comment ça s'appelle? Attends, il y a Elwood, il voulait me parler. On a combien en mètres? On a combien en mètres, là? Voilà, je vais regarder. Voilà. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Super, super, super. Alors, je vais aux nouvelles, au service après-vente, dis-moi. Ouais, bah c'est parfait, c'est nickel, hein, nickel. Je... Notre contact d'ici une heure et demie, je te prends tout le reste. T'en as combien? Ah ouais, 420. 420, bah je te les prends. Ah, t'en as pas fait depuis? Non, 400, ça fait 140. Ça fait 140 000, ok. Bon, ça fait un peu moins de 340. Vas-y, nickel, je te fais ça. Ok, impeccable, ouais. Ouais, tu me dis quand tu es dispo, genre un quart d'heure avant et on te prépare tout ça. Ouais, un quart d'heure avant, je t'appelle, vas-y, nickel. Oh, hey, oh, des camionnettes, hein. Ouais, je vais prendre, t'inquiète pas. Un vélo et un sac à dos, ça marche pas. Non, t'inquiète pas, je vais prendre cette fois-ci. Vas-y, ça marche, à toutes. À toutes. Hey. 140 000, ça fait 333. 140 000, c'est pour 420. Ouais, c'est ça. 333. Ouais. Eh, bonsoir, ça va, tranquille? Ça va, tu vas bien, tranquille. Ouais, fait chaud ici. Ouais. C'est chez moi, non. C'est un lieu qui est très atypique. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'aime bien. Dans la guerre. C'est vrai, c'est vrai. Une ambiance très guerrière. Ouais, bah après, si vous êtes là, c'est qu'il n'y a pas de raison. Pour ce que tu m'as demandé, d'accord, ouais, sache que déjà, j'avais des stocks limités parce que je n'ai pas réellement de grosses commandes à ce niveau-là. Ça arrivera la semaine prochaine. Malheureusement, à l'heure actuelle, il y a des très gros problèmes avec la frontière et avec les douanes pour tout ce qui est commandes, d'accord, ouais. Donc là-dessus, c'est de la chance que j'avais eu des commandes annulées, que je vous ai refourgué des petits trucs que j'avais encore, mais que je gardais pour moi de base. Donc là, je préfère vous dire que ça risque peut-être de prendre un peu plus de temps. Moi, je suis transparent avec vous. Okay. Combien à peu près? T'as pas une tranche? Je sais pas. C'est-à-dire que là, il y a une semaine qui a été en gros repoussée. Normalement, je commande début de semaine pour avoir fin de semaine. Sauf que là, ça a entamé l'autre semaine. Donc, ça peut être sûrement une semaine en plus. Ou à peu près, peut-être. Putain. Ça dépend. Malheureusement, les contacts ont été coupés, donc j'ai pas d'informations là à ce niveau-là. C'est plus de mon ressort. Quoi qu'il en soit, dès que j'ai l'information ou dès que j'ai quoi que ce soit, je reviens vers vous et puis voilà. Suite à ça, je voulais vous voir, c'est pour un braquage de banque. Comme je t'avais proposé. Ouais. Faire. Je t'échange, ouais. C'est ça. On vous fournit le nécessaire. Normalement, un pétoir vous est fourni lors de ce braquage. Et c'est pareil. Hein? Si j'ai pas mes livraisons, je peux pas vous fournir ton pétoir. Quoi qu'il en soit, en gros, je vous explique. Vous aurez de quoi faire. D'accord, les matériaux de piratage, etc., etc. Plus derrière une arme faite pour le braquage. Tu perds le braquage, tu perds l'arme dans le braquage. À ce niveau-là, forcément, je vais prendre un pourcentage. En soi, le pourcentage ne sera pas si élevé. De base, il sera à 10%. Si vous le faites, on prend juste 10% parce qu'on vous a fourni tout ça. Le reste, c'est à vous. Ok. Ok. Mmh. C'est pour braquer quoi, une grosse banque ou? Ouf, une petite, hein. Mais ça reste une banque quand même, hein. Une flic, hein, tu vois. Ok. Est-ce que vous sentez chaud à comme faire dans l'or? Enfin, braquer une banque, c'est quand même une certaine étape. Tu vois ce que je veux dire, c'est. Mais bon, ça c'est comment creepy. Ouais, c'est. Ça rapporte combien ça? C'est pas mal ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Je suis pas de banque. Moi. Ce qu'on m'aurait fait comprendre, sûrement dans les 20-30 000 à peu près.
Ok. Bah écoute, ouais, vas-y, nous on est chaud. Après, quand Guapo il parlait de salir les mains, nous c'est plus des trucs un peu plus... Attraper des personnes. Ouais, ça ou autre, tu vois. Ouais, ou régler vos soucis nous-mêmes, tu vois. En général, mes soucis, je les règle tout seul. Mais. Parce que la flica, là, hein, on peut la braquer nous-mêmes si. Là, c'est quoi la plus-value, quoi? C'est quoi le. Pourquoi? Qu'est-ce que... La plus-value? Ce qui m'entoure reste, tout simplement. Ce mur, il reste. J'ai pas compris. Pour que ce mur, il reste. Et quand des personnes du sud font dans le nord, ils vont se dire putain. Ah, tu veux qu'on me la braque dans le nord ou dans le sud? Le mieux, ce serait dans le nord. Ah, ok. Là, je comprends mieux. Je me suis dit, c'est politique, c'est politique en fait. Ouais, voilà, je c'est me ça. Disais, qu'est-ce qui. Ouais, je me disais, bizarre. Ok. Bah, ok, nous aussi. Non, après, si vous voulez faire des banques, je comprenais pas, moi. Banques, hein, ça, c'est. Vas-y, dans le nord, si tu veux, je m'en bats les couilles, je pisse même pas. T'inquiète pas, dis-moi tout ce que tu veux qu'on fasse dans le nord, on fait, non. Okay. Mais arrête avec les autres, là, les autres vendeurs d'armes, les autres trucs, ça se passe comment, là? Vous entendez bien? Comment ça se passe? Écoute. Je connais pas vraiment ces personnes-là, mais il y en a à qui je m'interroge sur ces personnes-là. Et je m'interroge surtout dans le nord. Le sud, je m'en fous. Ouais, dans le nord, il y a qui? Alors, je pourrais pas dire que arrête, 100% ce qu'ils font. Dans le sud, hein, c'est... Ah, c'est majoritairement dans le sud que tu fais ton genre. Ouais, mais tu vois, certes, mais quand on va dans le nord, quand on part, je veux qu'on parle des États, c'est pas d'autres personnes, tu vois. Que je veux dire, c'est à ce niveau-là qui est le plus important pour moi. Et pas mes concurrents du Sud, que bien leur fasse, qu'ils fassent, on se reverra plus tard, c'est pas un souci. Mes concurrents du Nord, par contre, ça c'est encore autre chose. Et je vais aller direct, hein. Est-ce que vous a déjà cramé sur... Est-ce qu'il y a des gens qui ont possiblement des informations sur vous, de très haute importance? Sois honnête. Non. Moi, je suis honnête. Ah ouais? Je suis honnête. Pourquoi tu penses avoir des informations? T'es certain? Écoute... On peut pas travailler ensemble si on n'est pas... Voilà, qu'il n'y a pas de problème. Non, mais je te le dis, à l'heure actuelle, je pense pas qu'il y ait des informations nécessaires et très importantes à nos niveaux, à nous. Ok, parce que... Okay. Non, mais dis les termes. Non, c'est que, en gros, à ce qui paraît, là, il y a des... Il y a une grosse information sur quelqu'un, et je sais pas c'est laquelle, je sais pas c'est quoi. Qui tourne, qui fuite, qui a fuité. Mais je sais pas c'est quoi exactement, et c'est sur un gros, sur un vendeur d'armes, je sais pas lequel. Donc faites gaffe à vous. Sincèrement, je peux te mentir, à ce niveau-là, j'ai pas d'informations prises chez moi, en tout cas sur nous. Non, mais en gros, ce qu'on veut dire, c'est que tu fasses attention, tu vois ce que je veux dire, parce que je sais pas si ça marche dans tes plates-bandes à toi, mais... Ouais, Jersey, les gars, ils nous l'avaient dit. Tu vois, il y a des gros trucs qui circulent, tu vois. Ok. Ouais. On préfère t'avertir. Ouais, bien sûr, je prends... Non, banana après, split. Là, pour l'instant, je suis discret, mais dans très peu de temps, ça va être différent. Okay. Et... Eh, voilà. Si, merde, banana split. Pour vous nous voyez comme ça, parce que... Bien vu, mon ref. Fais pas forcément confiance ou les choses se mettent en place tout doucement, mais une fois que ça s'est passé, après, bien vu, mon frère, pour les 50 subs, je sors de la tête niqué, de l'eau. T'es un niqué de fou, et là, on saura qui on est. Bien vu, mon frère, pour les 50 subs, on est à la différence de certaines personnes, on a des convictions très différentes. Mais Jersey, les gars, il avait des états, on est considéré comme il avait dit quoi, je les zappé, pas forcément fréquentable. Après, le business, c'est le business. T'as besoin de quelque chose, je te fournis. Si, ma bonne speed, drogue. Merci, mon frère. D'ailleurs, merci, mon frère. Je sais pas si je vous ai dit, mais la coco, $150 l'unité. Qualité supérieure. Ouais. Merci, un banana speed, mon frère, encore. Je le répète 1000 fois, t'es un ouf. Donc, moyenne de prix, $257. C'est moi, vous inquiétez pas. C'est moi. Okay. Merci, Mère Fatigno, merci, mon frère. Donc, on lui dit ou pas, Guapo, l'info là qu'on a là, de ce qu'il avait dit l'autre là, celui qui n'existe plus. Ouais.
vas-y. Bah, un concurrent à moi lui dire, je te laisse. Attends, non, attends, c'est quelqu'un qui vous a balancé. Ah. Ouais. Okay. Allô. Ouais. Ouais, y'a quoi? Ouais, tu m'entends? Ouais, dis-moi. Et Panana Split, mon frère, bien vu. Hein. Oui, c'est qui? Bien vu, mon frère. Bien vu, mon ref, on est ensemble de fou. Bien vu, la famille. Bien vu, mon frère. 20 c'est 350 l'unité. Fais le calcul. Non. C'est pour qui ça? C'est pour qui? Demande, c'est pour qui? Alors, juste vérifie bien que c'est pas des keufs, je sais pas, mais la poêle, regarde, ils sont pas de micro. C'est qui les mecs? Je sais pas, c'est des mecs qui savent même pas qui c'est. C'est des mecs. T'as les mecs de... C'était des mecs de. Ils traînent avec deux exemplaires, je sais pas quoi. Oui, oui, c'était un mec. Qui... Oui, oui. Y'a qui avec toi? Y'a Double? Ok, ok. Y'a qui avec lui? Bah, eh. Hey. Ouais, ouais, y'a Double. Eh, hey, bah, faites attention et vas-y, ouais. Il faut qu'ils le fassent bien. Mais en gros, leur donne pas. Juste, tu leur montres. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, vas-y. Vas-y. Là, c'est des mecs. Allô. Allô. Allô, allô. Eh, hey, occupe-toi de parler quand ça, tu vends à des gens. C'est une galère, je galère trop ce soir. Putain. Vas-y, vas-y. Je fais des tests, mais vas-y. Attends, vas-y, vas-y. Mais bref, on... C'est Melo qui t'a appelé, c'est qui? Ouais, ouais, Melo. Il a que de belles, mais je sais pas, il... Attends. Allô. Ouais. Et tu leur as proposé encore ou pas? Et là, ils vont juste tester si c'est de la frappe ou pas, parce qu'ils sont déjà fait couiller, ils m'ont dit. Vas-y, vas-y, on arrive, vas-y, on arrive. Carré, vas-y. Bon, après, ils vont poser 20K, il m'a dit. Tu vends un peu, quand c'est une grosse, faut qu'on soit là, qu'on mette pression, comme ça, le mec, il va se dire, ah ouais, c'est des têtes, je vais racheter, vas-y, vas-y. T'as capté? Vas-y. Bah, vas-y, bah, venez, ils vont revenir, là, ils vont. Ouais, voilà, ouais, on va revenir, là, on va revenir, de toute façon. Vas-y. Bon, vas-y. Ouais, ah ouais, merde, on a même pas discuté au final, attendez. J'ai oublié. Ouais, on leur dit tu, ou quoi? Tu veux leur dire quoi? Bah, Jersey nous a dit qu'il taffe avec eux. De quoi? Jersey, il avait dit que il taffe avec les États. Ouais. Vous avez dit ou pas? En fait, Jersey nous avait dit qu'ils ont balance au People quelqu'un. C'est les États, moi je suis à 90%. Oui, un groupe du Nord, il m'avait dit. Mais est-ce que ça Des Latinos du Nord. Pour moi, c'est ça. Hein. Il avait pas dit Zetas. Bah les couilles, il est mort, vas-y, on dit Zetas. Il avait dit qui? Il avait dit qui déjà? Je me souviens plus, sa grand-mère. Je crois qu'il avait dit... En fait, regarde, si on a un doute sur ça, c'est que ça va être eux, c'est sûr et certain. Attends, bah demande-leur s'il y a des Latinos dans le Nord avant. Y a pas d'autres Latinos dans le Nord, c'est eux. On fait quoi? Mais est-ce qu'ils vont bien couper les vivres à Sony ou ils vont faire que les... Je sais pas, on s'en bat les couilles, on leur donne l'info, ils se Vas-y. Bref, du coup, nous, t'as fait avec les People Nation, tu vois. On leur a acheté des armes, on travaille avec les People Nation, je sais pas si vous connaissez. Si j'en ai entendu parler ici. Ouais, bref, ils vendent des calibres, ils vendent tout. Nous, on travaille avec eux. On avait une condition, c'est qu'ils travaillaient pas avec une personne. C'est Sony, etc. Ils ont pas respecté le truc. Et du coup, on s'embrouille avec eux. Ils nous ont expliqué qu'en fait, c'est parce qu'il a donné des infos de fou, je sais pas quoi. Au final, on a attrapé un gars de chez Sony, Jersey, et il nous a dit qu'ils vous ont balancé au People. Simple, aussi simple que ça. Et les People, eux, ils sont pas comme vous. Hein. Ils veulent éteindre tous ceux qui vendent des armes pour être les seuls, et ils en ont rien à foutre. Hein. Donc, t'as dit qui juste pour le savoir? People qui transmis l'info? Non, mais qui a transmis l'info? Sony. C'est Sony. Celui qui nous l'a dit, c'est Jersey, mais Jersey, il est mort. Donc, En fait, on les a, en gros, on les a juste vus, mais on n'a jamais pris de commande, rien du tout. J'ai juste vu, c'est tout. Mais vous leur avez dit que ça explique tout. Vous avez des produits, vous vendez ce que vous vendez, tout ça. Ouais, je sais pas, par contre, ils étaient au courant. Ah bah voilà, ils ont juste transféré, voilà. Ils étaient juste au courant, mais ils avaient rien eu. Ok. Bah, dites-vous que là, il y a des gars, ils savent que vous existez, que vous vendez des calibres et ils vous cherchent. Ok, parfait. Tu les connais bien, cette équipe-là, les People, mes couilles, là? Ouais, c'est des afros, ils traînent, ils s'habillent, grosse chaîne, grosse montre. Un peu street, un peu, ou pas? Ouais c'est peu, ça, c'est ça. Genre doudoune blanche, ces trucs ils comme ont ça. Ils ont percé un peu, tu vois ce que je veux dire. Et ils sont à Mirror Park. Ouais, ils sont lourdement armés aussi. Ouais, la raquette de Mirror Park, je sais pas si vous voyez, si vous tournez un petit peu. Ouais, je vois. Ouais, une petite maison, là. Je sais, BTK, mais ça doit être Elwood. Ok.
Non, mais c'est pour savoir si j'ai des certitudes ou pas. Tu vois, si vous voulez, moi, on en attrape pas, on vous le ramène. Hein. Mmh. On a rien à foutre. Ah, après, on s'en bat les couilles, hein. Ouais, mais j'ai pas envie de vous mêler si ça commence à faire comme il s'est passé avec la personne que t'as mon dit. Mon gars, t'es... En fait, le truc, c'est qu'on a fait que des transactions. Mais t'as vu, tu nous as pas vu sur le terrain encore. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien on sûr. On s'en bat les couilles, on peut même te ramener qui tu veux. T'as vu, même vous, hein. T'as vu, c'est. Enfin, non, je rigole. Mais ouais. Ok, perfecto. On attrape un petit, on se masque, personne saura que c'est nous. On vous le ramène. Fais ça pour ni connu. Ok, parfait. Quoi qu'il en soit, pour ce que vous avez dit, je pense que. La marge qui était faite en termes d'armes avec vous va être réduite. Mm-hmm. Et vous allez payer comme les personnes avec qui je travaille. Ok. Ça fait plaisir. Donc, c'est-à-dire ça que... fait plaisir de faire les affaires. Si jamais je précise juste les personnes avec qui on a bien confiance. Quoi. Voilà, c'est ça. Oh, c'est ouais, vraiment ouais. Les personnes avec qui on travaille. Okay. C'est appréciable. Donc, en gros, pour vous donner une ordre d'idée. Un Beretta, si c'est les prix à l'heure actuelle, t'es à 40. Ok. Et un Glock, t'es à 45. Donc, qui cas de et donc, la Coco, vous serez à 140 unités. Au lieu de 150. Beretta, tu m'as dit combien? 40 000. Et Glock 45. Vas-y, là on peut passer une commande ou quoi? Est-ce que c'est possible alors, de donner l'argent en un coup? Parce que c'est vraiment ça nous. Oui, on fera ça. Okay. Ouais, nous, c'est pas nous question, fond. C'est juste que là en gros, voyez, nous on achète de la... Bah, ouais, on a de l'argent, on réinvestit. Ouais, tu fais de la mettre. C'est ça. Ouais. Mais on va pas passer sur la coke là. Après que t'achètes la mette, c'est une chose. Mais attardez-vous que je ferai en sorte que malheureusement vous n'ayez plus de mette en circulation. Non, que c'est pas que ce soit contre vous. Je vais dire la phrase. Oui, bah, dis la phrase. On va essayer de t'en mettre un peu moins en circulation parce que là, ça y est, il y en a partout en ville, c'est un bordel. Ouais, ça, c'est vrai. Faites votre taf, hein. Oh, ça, c'est votre truc. Hein. Et les people, ils vous amènent. Les people, c'est eux les vendeurs numéro 1. De mettre? Ouais. Ouais. Ils sont partout. Ouais, ils sont pas montrés à payer, là. C'est... Ah, mais c'est pas ça. On va réfléchir et on vous tient au courant là-dessus. Vas-y. On vous tient au courant et on voit. Et voilà. Ok, perfecto. Muy bien. Merci pour les informations. Voilà, et on vous tient au courant. Ah putain, pour le braquage, mercredi, date limite max. Ok. 22h30, 23h, c'est bon pour vous? 22h30, ouais. 23h, c'est bon, vas-y. On se fixera. On se fixe ça, 22h30. On se l'audit là, les gars, on se l'audit là. Vas-y, Nick. Ouais, on se fixe ça avec moi pour. Vas-y, parfait. Vas-y, allez, c'est bon. Attention. Vas-y, en fait, pourquoi il y a plus de mètres que Côte? Parce que les orgas de Côte, elles n'ont pas duré. Je sais pas pourquoi. Il y a moyen que ça... En gros, avant, il y avait des... Comment ça s'appelait déjà? En fait, c'est au mec de la coke de niquer les mecs de la mèche. Qui ont tiré sur Kane à l'ancienne. Ouais. Ça s'appelait comment? Madrazo? Ouais. Tu vois, à tout moment, c'est eux aussi, tu vois, donc c'est bon. Non, c'est pas eux. Non, Madrazo, ils sont cuits, ils sont... Non, mais c'est vrai, Madrazo, ouais, c'était déjà fini, ouais. Jersey, t'es encore avec nous. Tu m'aimeras pas. Eh, hey, Banana Split, merci encore, mon frère. Tu vois, c'était encore là. Ils sont exterminés. Je pense, hein. Oh, my God, sur le set. Je rejoins les potes morts, les jumeaux taille. Mais en fait, y a les mecs de la coke qui vendent pas trop, on dirait, parce que t'as vu, la mètre, il y en a trop. Donc, ouais, c'est ce qu'il a dit, en gros. C'est à eux de piétiner les mecs de la mètre. Oui, voilà, on veut le faire. Ça, ou bien de faire des prix super intéressants sur la coke pour contrer la mètre. Après, ils sont pas trop rentables, tu vois, ils sont obligés de baiser les mecs qui vendent la mètre, parce que... Mais bon. Ouais, je vois, c'est qui. Ok, Bacha, elle est là. Hey, what's up? Tranquille. Okay. Ouais, vas-y, venez vite fait, je voulais vous voir. Ils sont venus massifs, hein? Quartier un style. In the hood, hein? Ouais. T'as vu, je voulais vous voir pour. Parce qu'on a jamais bossé ensemble encore, hein? Vous faites discret, vous. C'est même jamais. Vous traînez. On a pas mal d'histoires pourtant, hein? Oh, sûrement, mais on a... Entre nous deux, il n'y a rien.
Non. Donc s'il n'y a rien, visiblement, on n'a pas de truc en commun, en concurrence pour se la mettre. C'est-à-dire, si on peut bosser ensemble. Non. Pourquoi pas, après ça dépend ce que tu as une idée en tête sur moi, là, comment tu me parles. Ouais. Moi, t'as vu, j'ai une cam à vous proposer. J'ai fait l'acquisition, t'as vu, d'un gros stock. T'as vu de cam. T'as vu, je la refourgue là. Ah ouais, c'est quel genre de cam? Tu parles de quoi? C'est de la dure, elle est pure, elle est. Et c'est y a pas plus pure. Et t'as vu, c'est de la bleue. Hein? De bleu. Ouais. Vous êtes déjà dessus, combien? Je te cache pas, il se peut. Mais après, t'as vu, chaque offre, on les prend pour voir. Ouais, moi, je vous la fais. Ça dépend ce que tu nous proposes. 350. Délai de livraison, c'est combien? Après, t'as vu, je suis pas un vendeur de mètres. Ça veut dire que là, je vide ce que j'ai. Ouais, tu commandes après, à ton gars. Non, je commande même pas. C'est en gros, j'ai déjà un gros stock. Mais t'as vu, il part. Là, je suis en train de vendre de partout. Là, j'écoule tout pour m'en débarrasser. C'est... Voilà. C'est de la combien? 99 pure à mort. Il n'y a pas mieux. Okay. C'est de la pure. Production maison Oh, ça, je sais pas. Hein. En tout cas, c'est de la pure. Elle se revend bien dans les rues. C'est pas un peu jaunâtre et tout, hein? Non, elle est bien bleue. Bien bleue. Hein. Moi, je suis un consommateur. Ah, non, on la connaît bien. Moi, ça veut dire que je l'ai déjà testé, c'est quelque chose. Hein. Okay, c'est quelque chose. Quoi, on fait tester à quelqu'un? T'as un échantillon ou quoi? Un échantillon. Ouais, je peux... Vas-y, je te ramène. On fait tester à quelqu'un. Je sais pas, Limonade, il a une petite tête de. Hein. Ouais, Limonade, vas-y. Moi, je touche pas à ça. Non, moi, je touche pas à ça. C'est Mertom, bien. C'est trop peu, 350. Oui, mais les gars, là, c'est pas, on fait pas ça pour apporter de l'argent. Je fais ça pour le relationnel et de construire quelque chose. Je commence à, tu vois, mettre dans la tête des gens. Belek, je suis Norga. Là, je teste, là. Même pour moi, personnellement, de voir, vas-y, est-ce que ça m'intéresse de faire ça avec ce perso. Carrément, là, je les vois. J'hésite même à leur donner Watt. Si je taille, je donne Watt. C'est bizarre, il nous propose un... Un plan, je crois que c'est mec, c'est ça? Ouais, t'as vu. Et en plus, ouais, on éteint les people et tout. Non, t'es fou. Les gars, la guerre avec quelqu'un, c'est pas direct l'attraper. Ouais, c'est pour ça que je veux jamais taper dedans. C'est pour ça que je veux voir ça. C'est pour ça qu'il y a lui. Il va tomber KO. C'est ce qu'on veut voir. C'est soit tu meurs, soit tu tombes KO. S'il meurt, c'est que c'est de la vraie. Il va faire une overdose direct, lui. Mais là, t'as vu, s'il a jamais pris, c'est... Bon voyage, Ken. Hein. T'as vu le blast, c'est la Baby Blue. Baby Blue. Oh, comment tu prends ça? C'est pas comme ça que ça se prend, ouais. Déjà, ouais. Oh, okay. Cousin. Qu'est-ce que ça se tire? Non, arrête. Oh. Non, mais il parle même plus. On a créé un monstre, hein, je vous le dis. Hein. Ça va, Ken? Ça va, Ken, tu te sens bien? Ah, c'est quelque chose, ça. C'est quelque chose. T'as créé quelque chose de pas bon, là, Trippy. Bah, il va tomber dedans, ça. Mais y'a pas de honte, hein, moi je suis dedans, moi je prends tous les jours. Vite fait. Allô? Allô? Ouais. C'est quoi ça? C'est comment? Attends, j'arrive, dis-moi pas, j'arrive. On va le baiser. Il est mieux. Ça va le crâne. Ouais, c'est bizarre. Ça gagne, je vous mens pas. Là, il m'en reste quoi? Il m'en reste. T'as vu, là, tout de suite, là, pour ce soir, 140. J'ai pas plus. Et après, je pourrais avoir plus. Si vous voulez, je vous en passe. T'as proposé ça à d'autres mecs là pour les 140 ou que nous seulement? Ouais, là, je te dis, mais c'est pas un set connu. C'est qui? C'est des mecs, c'est pas un set. Hein. C'est des petits des. Hein, qui... C'est des petits ouais, gars. C'est des mecs, ouais, c'est. Ok. Vas-y, bah, je vous envoie. Après, je pense que tu vas nous laisser le temps de réfléchir un peu. T'aurais une réponse incessamment mon souper en tout cas. Vas-y. Mais là, t'as vu, j'ai proposé à vous, à deux sets différents. J'ai déjà vendu à des mecs. C'est-à-dire là, le premier qui me rappelle entre vous et l'autre, je lui passe. Normal. Vas-y, c'est normal. Impeccable. On va donner une réponse rapidement. Mais dans tous les cas, si t'en as plus tard, on va essayer. Vas-y. Ken, elle est comment, Ken? Comment ça parle? C'est qui spécial? Mais lui, il est défoncé tout le temps de masse. Mais ça, c'est. Il est bizarre. Vas-y, bah, carré, je te rappelle. Ken. Ça va pas trop là. C'est bon, c'est carré? Ouais, c'est vas-y, carré, vas-y, on s'attrape. Vas-y. Vas-y, ouais. Vas-y, viens, Ken. Vas-y, big up. Hein. Ouais. Allô?
Ouais. Ouais, en vrai, tu vois, tu vas faire 300 là bientôt là. Ouais. Tu me les fais à 90 balles, hein. 95 balles, hein. Eh cousin, t'as vu, c'est le prix que je t'ai dit, c'est tu prends ou tu prends pas. Bah ouais, mais si je prends pas, toi t'auras des problèmes, je crois, là, carrément. Bah vas-y, prends pas. Crépi. Ma mère, j'aurais pas de problème. La vie de ma mère, j'aurais rien du tout. Ah, si. Ah, People, t'as pas peur ou quoi? Je leur... Bah cousin, bah... Mais quoi, t'es en train de me dire tu as balance? Oh, mais qu'est-ce que... Pourquoi tu paniques déjà, là? Mais je parle là, parce que là, on va parler... Crépi, là, tiens, on va parler le langue de la rue. La langue de la rue. Là, vu, les People, ils viennent me voir. Moi, je vais parler avec des balles dans la tête, hein, Ghost Dog. C'est les balles qui vont parler. Mais là, si toi, tu veux pas m'arranger, dans ce cas-là, on va pas s'arranger, Crépi. Est-ce que je veux dire ou pas? Moi, je t'arrange. C'est ça, le relationnel. Eh, écoute-moi bien. Non. T'as vu, c'est le prix que je t'ai dit. Et t'as vu, tu veux jouer, aller voir les People, commencer à leur dire. T'as vu, là, c'est... Oh, moi, là, tu deviens une poucave, hein. Tu deviens une poucave. Tu vas pas rentrer dans mon cerveau. Moi là, je vais aller voir personne. Voir qui? Bah, tu veux faire quoi alors? Tu veux alors? C'est pas très bien, c'est pas très bon. On a nos petits arrangements. Cherche pas à me débarrer sur le tarot. En fait, toi, t'as envie que le contrat. T'as vu, je le change jamais. Change la musique. Ah, hein. Ouais, moi, je mélange tout. M'en bats les couilles, moi. Je mélange tout. Ah, tu mélanges tout. Tu mélanges tout. Tout a un lien en fait. Tout a un lien, tout est dans le toit, tout se relie, comme on dit. Ok, dans ce cas-là, si tout se relie, je rappe plus. Voilà. Ouais, après, c'est ton choix. C'est là, je peux pas te forcer. Ça, on est bloqué. Tu me baises. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand je vais venir, je vais prendre, je vais t'attacher sur une chaise. Je vais te mettre une feuille devant la tête avec déjà tout écrit. Et je vais te dire rap devant le micro. Rap. T'as vu, dès que tu rappes pas, je te pince la bite, je te fais des trucs de fils de pute, je vais te choquer. En fait, toi, Ghost Dog, je vais te choquer, je vais commencer à te faire des dingueries. Tu me racontes, Crépi, la vie de ma mère. Tête d'homme, on te ramène une meuf, tu cours, toi, je trouve juste une meuf. Je cours pour la balayer, ouais. C'est facile avec toi. Vas-y. Non, c'est facile. Envoie-moi des meufs, envoie-moi. Même ce soir, si j'ai envie, ce soir, toi, je t'ai. Ah ouais, c'est comme ça, Ghost Dog. C'est comme ça maintenant. Ah. J'ai capté ton petit délire. Tu veux Camara, là, qui joue à Monaco, tu veux que je la piétine, hein? La meuf qui a un blast de défenseur c'est comme là. Ça. Hein? Ah ouais. Toi, hein? T'as joué à Chelsea, maintenant tu veux plus d'elle, maintenant ça y est. Ouais. Ouais. Ah, t'es ouais. Free, non? T'es libre. Ouais, hein. Ouais. J'ai pris une meuf, t'es la petite sœur de chez toi, grosse bite dans la date. Je l'ai bien, hein, je l'ai souillé sa grand-mère. Oh, t'as vu? Et après, je l'ai bloqué, tu vois, c'est ça. C'est ouais. Ouais, ouais, ouais. T'es les rats, ok. Et je les galoche devant toi, cousin. Va éduquer les petites de ton quartier avant de vouloir venir et me dire je sais pas quoi, je serai dans la merde avec les people, l'espèce de poucave. Tu me poucave. Eh, s'éveille, je te dis, on est Ghost Dog. C'est pas, il me dit quoi? Si tu m'arranges pas dans le prix, je poucave aux people. En gros, il m'a dit ça, en gros. Mais c'est un faux renom ou quoi, lui, là? Il a dit quoi? C'est un faux renom, lui, ou quoi? T'as vu, il m'a dit ça. Carrément. Ils échangent l'argent. Hein? Ah, quel bail? Bah, quand il a dit ça, c'est pas un truc de vrai G, ça. Eh, t'as vu le prix que j'ai donné, Ghost Dog? Je vais rapper tout seul dans cette ville. Ton tarot là, c'est cousin, un vieux tarot. La vie de ma mère, c'est pas un vieux tarot parce qu'il n'y a pas moins, cousin. Et si tu veux moins, fais-le avec les autres. Avec les mecs qui fabriquent ça. Moi, je peux pas, moi. Je peux pas. Tu sais, j'en fabrique. Ouais. Et écoute, Crépi, c'est de la com que tu dois revendre en ziac. Revends-la moi en ziac. Tu prends. Mais ce que t'as pas compris, Ghost Dog, c'est qu'il y en a, ils me la prennent à 350 et certains même 360. Y'a que toi qui casses les couilles, t'as vu? Ça veut dire que là, je continue? Ben non. Et moi, t'as vu, tu verras, tu me rappelles demain, tu vas me dire, ouais, pour le même prix, je te la prends, j'aurai plus. Tu vois? Mais les 4000 dans le coffre. 345. Ça fait combien ça? 45. Là, on calcule, là. Mais c'est pas beaucoup, c'est tranquille. Ça fait combien ça? Ça fait combien? Attends, 300 à 345, ça fait. 100. Attends. Je te la reprends à 102, en mode bien bon. Mais t'es pas à 1000$ près, Ghost Dog. Ouais, tout ton. Arrête, mais toi, à chaque fois, tu dis ça, mais c'est comme ça qu'on fait des affaires. C'est en grappillant 1000$ par ci. Non, là, tu fais une affaire parce que tu pètes de la mettre hors circuit, t'as vu? Ça veut dire que t'en as plus que les autres, et tu vas faire deux fois plus de bénéf. Tu vois? Parce qu'ils peuvent pas, t'as vu les people, ils taffent avec tout le monde, tu vois. C'est-à-dire ils en ont pas à la mort pour tout le monde. Moi, c'est pour ça que moi j'ai arrêté de taffer avec eux, qui baissent leur grand-mère, moi.
Et t'as vu si je fais ça? Taffe plus avec la eux, vie de... Je taffe plus avec ces fils de pute, moi. Je taffe plus avec eux, moi. Parce que c'est des fils de pute, tu vois. Nous, on taffe pas avec les fils de pute. Parce qu'ils taffent avec tout le monde. Ça veut dire, moi, je veux pas taffer avec quelqu'un qui se mélange de partout. Mélange c'est trop vrai, aussi, hein. Bah ouais, oui. Se mélange de baiser. Ça veut dire que moi, là, je fais juste ça. C'est pour que t'as vu, carrément, ils voient que, vas-y, il y a d'autres gens qui sont en place. T'as capté? T'es passé à la banque creepy ou pas? Non, je vais passer là. C'est-à-dire là, ouais, hey, ouais. Cousin, c'est le prix, c'est très très bien, tu le sais très bien, c'est de la pure. Arrête d'être gourmand. Sois gourmand, c'est bien, t'as raison, c'est comme ça tout se fait, tout se négocie. C'est comme ça qu'on arrive au sommet, mais fais le pas avec moi, cousin, on est au même niveau, moi je peux pas. Moi, j'ai dit déjà, la vie de ma mère, je gagne rien. Et t'as vu plus tard autour de la soirée, dès que t'auras acheté, je t'explique pourquoi je fais ça bien en détail. Vas-y, ok. Vas-y, on fait ça. Vas-y. Wesh, il est grave gourmand, frère. Ah, vous êtes toutes couleurs vêtues aujourd'hui, dis-moi, Elwood. Ouais, c'est mes frangines, ouais. Bah, enchanté, hein. Quoi, tu parles des deux... Bah, aussi ouais. Du pantalon, du ouais, neveu, là. C'est mes grandes sœurs. Ah ouais, le pantalon, ouais. Bah, moi, je vois pas les couleurs, je suis dyslexique. Ouais, c'est... Ah oui. Ouais, parlons... Je comprends. La bonne note qu'Elwood aime. Donne-lui l'argent, donne-lui l'argent, c'est veille. Ouais. La valise, excuse-moi. La valise. Envoie le, comme on dit, envoie la boulard. Ouais. Non, c'est pas... La boulard. C'est pas ça. Tu demandais l'heure, toi, là-bas. Il y a que des coupures de $100, là. C'est plus facile à compter. Ah, super. Et là, je reviens avec des grosses informations, Elwood, là, faut que je te parle. Oh. Tu parles devant tout le monde, là, tranquille. Aïe. Ouais, bien sûr, tu peux, c'est le sang. Ouais. Je suis coincé les doigts. Elwood, pour toi. T'es dans la merde, Elwood. Quoi? Tiens, raconte ça. T'es dedans de sacrées salades là, Elwood. Toi et tous tes frères. Comment ça, dans des salades de quoi? J'explique, t'as vu, on est parti voir un. Moi, je suis plein, moi, de toute façon. C'est les étas. Par contre, personne n'est venu te le dire. Hein. Vas-y, dis-moi. Faut vraiment que tu dises rien. Parce que sinon, ils vont savoir que c'est nous. Ouais, je fais rien dire, c'est bon. Tu dis rien, tu fais rien. Juste, tu sois. Je dis rien, je fais rien. Et si je suis en danger de mort, ça va chier du crash pneu dans toute la ville. Hein. Écoute. Là, en gros, les étas, là, c'est des. Tu connais les étas. Et c'est quoi? C'est de la monnaie, ça? C'est des latinos, accents, ouais. Ils roulent les R. C'est les tasses, laissez mec. Et en gros, ils sont venus nous voir, tu vois, nous proposer du business, etc. Et bref, ils nous ont parlé, ils nous ont expliqué que tous ceux qui vendent des calibres ou de la mette dans le Nord, c'est leur ennemi, ils vont s'occuper de d'étendre tout le monde. Là, eux, ils sont sur la coque, ils en ont marre qu'il y a trop de mette. Donc ils vont s'occuper des gens de la mette et s'occuper de ceux qui vendent des armes dans le Nord. Ils veulent qu'il n'y a que eux dans le Nord. Donc tu dis qu'ils ressemblent à quoi? Ils sont masqués, toujours, tout le temps masqués. Et ils sont... c'est des latinos. J'ai une petite ouais, un chapeau de cow-boy, là. Ils doivent être surarmés parce qu'ils vendent des calibres. Bonsoir, des chapeaux de cow-boy, les étasses, tu dis? Ouais. T'en connais un là-dedans? Tu connais le... Un peu le... Là, je suis vraiment dans les débuts des relations, c'est-à-dire je connais pas, j'ai pas de... Ils me font pas confiance ou quoi, mais... Une photo, je te dis, Ouais. Et je te l'ai dit, Elwood, de toute façon, que ça allait arriver. À du moment où tu commences à te faire beaucoup d'argent et rapidement, hein, parce que là, tu t'enrichis, là, avec tout ce qu'on te ramène. Ouais, j'investis, on va dire. Ouais, et ben, l'argent attire les problèmes. Et c'est comme ça, hein, c'est... Vous avez compris pourquoi on a des connards qui viennent nous voir, là? Oui. C'est un peu plus clair pour vous? Ouais. Les gens cherchent à savoir ce que tu fous, Elwood. Mais oui, bien sûr. En tout cas, nous, t'as vu les Norwats, hein, où on est, t'as besoin de nous, t'hésites pas. Mais ta deuxième famille. Ouais. On est là, nous. Mais... Ah ouais, c'est vrai. Je vais m'entraîner à faire votre crampe à la main, là. Ouais. Entraîne-toi. La cam, tu peux y aller à foison. Nous, on te prend tout le temps. Et si t'as besoin, tu nous dis. Ok. T'as besoin d'autre chose? De la cam. Ouais, moi je t'ai déjà dit, c'est sexe, drogue, arme. Ouais, c'est ça. Ouais, sexe, si tu veux. Si ça te dérange pas, les cèpes ou les trompettes de la mort, je peux. Tati, approchez là. Amenez-vous voir là, servez à quelque chose deux secondes là. C'est mes frangines, c'est mes grandes sœurs, c'est des jumelles. T'es en train de cabosser toute la voiture de tonton. Je te présente l'ancien d'ailleurs, Elwood. Ouais, il aime bien les blondes, là. Vas-y, ramène la marchandise là, fais-moi voir ça là un peu.
Enfin, elles sont pas à vendre, hein, c'est mes sœurs. Hein. Ouais, moi, je pense qu'un mariage pour réunir nos deux. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est à ça. C'est exactement à ça que je pensais, un mariage. Ouais, c'est présente-toi, girlie, là. Par contre, ça te dérange pas, c'est comme si tu tapais un trou dans le désert, hein. C'est sec, hein, à cet âge-là. Hein. Wow. Écoute, ça, c'est pas un problème. Grande. C'est pas un problème pour lui, hein. C'est pas un problème, il a de la salive. L'ancien, il en a vu passer. Vas-y, présente-toi, la girlie, un peu. Ouais, tu devrais te lancer dans l'huile de colza si tu veux pas trayer le bordel. Oui. Approchez-vous, les filles, n'ayez pas peur. Ouais, t'es plein. Par contre, il y a l'escalope qui dépasse, hein, je t'ai déjà dit, hein. Le 4-4 devant, celui-là. Ah ouais, lourd. Bon, bonsoir. Fais pas gaffe aux pinceaux, elles prennent pas soin de leurs ongles de pied. Ouais, t'inquiète, moi aussi c'est pareil. Moi, c'est comment ton blaze à toi? J'ai pas compris, il y a l'escalope de quoi? Moi, c'est Patty, alias Patache. Ouais, franchement, tu m'intéresses pas du tout. Ta tête, elle est gaise. Je dirais plutôt pâteuse. Moi, c'est Cathy, alias Catoche, pardon. Catoche. Il aime bien les fumeuses. Hein. Ouais, j'aime bien les fumeuses. T'aimes bien fumer, toi? C'est ça, hein. T'aimes bien la pipe aussi, les cigares, non? Ben oui, les gros cigares, hein. Ouais, t'inquiète pas, on a ce qu'il faut. Ouais, il y aura peut-être moyen qu'on aille boire un verre ensemble, pour... Fais gaffe, ça va te coûter cher, hein, parce qu'elle pompe, hein. T'inquiète pas. C'est des éponges, les bordels, hein. Je suis endurant, t'inquiète pas. Bah écoute, Catoche, je pense qu'on va se revoir tous les deux dans pas longtemps, je pense. Avec plaisir, hein. Desley, il est en train de vider le reste, là. C'est bien, bah écoute, ça fait plaisir, lourd. Hein. Prends le numéro, l'ancien. Vous avez de la place, le gros. Vous avez de la place encore, les gars, ou quoi? On a place en deux, c'est ça. Vas-y, commence à vider. On a tout pris, Eloud, là. Ah ouais, t'es pas jalouse, non? Ah, pas du tout, hein, surtout pas avec ma sœur. Oh, donne-en-moi, ouais, je peux prendre, moi. Je suis pas trop habitué, bah, pour ça. Va voir Vesley, où il en est, là. Ouais, on en a encore dans un coffre dehors, vas-y, j'arrive. Comme ça. Il y en a. C'est la nôtre, celle-là. Alors, 5-5-5. Ouais, ça, c'est la nôtre, ça, c'est la nôtre. Bah ouais, j'en ai mis 63-0-64. Ah oui, c'est bon, du coup. 5-5-5-63-0-64. Je crois qu'il doit ramener le reste, je crois pas qu'on a vidé 400, là. Moi, mon blaze, c'est Bumpy, tu m'appelles Bumpy. Ouais, il ramène, là. Je t'envoie un petit SMS, alors. Ouais, un petit sexe MS, quoi. Avec tranquille. Vas-y, c'est carré, vas-y, lourd. Non, à l'union de nos familles, vraiment, l'ancien. Et toi, c'est comment, toi, la blonde, déjà, Patoche, c'est ça? Oui, Patoche, oui, c'est ça. Ouais, bah vas-y, hein. À bientôt, hein, du coup. Là, 400 d'un coup, on fait une commande, essayer de voir. Ouais, si lourd, carré, big up dans l'axe. Ouais, vas-y, les gars. De toute façon, je vais lui donner encore des infos. Vas-y, là. Big up. Ouais, Patoche. Vas-y. Est-ce carré, ramenez ça, c'est bon? Ouais, c'est bon. Attends, vous êtes au complet, pas encore ou pas encore? C'est bon, il y a tout là, Eloud, c'est bon. C'est qui attends, le ptio, il va me dire. Valté! Ouais, j'en ai encore sur moi. Bah va dehors, donne-leur. Et après, c'est bon? Je vais t'entendre. Ouais. Quand notre coffre il est vide à l'intérieur, c'est que vous avez tout 418. T'en as toi sur toi? Non. Ouais, non. Non, les filles, pas non aussi. Non. Et t'as tiré, bon, vider quelqu'un d'autre que la famille. Pas fini pour les infos. Ils étaient au courant aussi, les people là, les people nation, ceux qui tapent sur la mètre là, les afros. Ouais. Ils étaient au courant, je sais pas comment, que moi j'ai vu d'autres personnes qu'eux pour de la mètre. Ok. Moi j'ai dit que non, tout ça. Et ensuite, il y a un truc, j'ai su que j'ai attrapé un gars à Sony pour savoir la grosse info c'était quoi. Et la grosse info, c'est l'équivalent, ça voulait pas me dire, il voulait pas, mais c'est l'équivalent d'un laboratoire d'armes. C'est l'équivalent, c'est un truc de fou, c'est les termes qu'ils ont sortis, c'est tout. C'est tout le circuit de quelque chose. Je sais pas. Attends, de quoi tu parles là? Les people ont eu une information de Sony. Sony leur a donné le circuit de quelqu'un et tout. Un truc de fou sur quelqu'un. Je sais pas si c'est toi, mais si c'est toi, si tu sais que Sony... Redouble de vigilance. Ils viennent de quel quartier là, les people et les Last Ketchup? Mirror Park, c'est des vendeurs d'armes aussi. Et eux, ils ont cette info. Sketchup aussi? Mirror Park. Tu parles de qui là? Los Zetas ou... Ouais, les. Qui veulent... Los Zetas, ils sont dans le nord, on a expliqué à Elwood. Ah. Eux, on s'en fout. Eux, ils veulent qu'il n'y ait plus de mètres. C'est-à-dire, ils vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est ça? Et ils veulent pas de vendeurs d'armes dans le nord. C'est ça. Donc, ça va devenir vos ennemis. Tu vois, ça c'est sûr. Ensuite, les people. Eux, ils ont l'information de quelqu'un, de tout le circuit, tout.
Je pense pas que c'est les Etas, parce que les Etas, ils les connaissent pas. Ça veut dire que... J'espère que c'est pas vous, quoi. Est-ce que Sony t'a déjà attrapé, loot quelque chose, tu sais qu'il sait quelque chose? Ça, c'est ma voiture. Sony, il sait que je vends de la mette. Bah, il a dû le dire. Ah, ça, par contre, il a dû le dire. C'est sûr et certain. En tout cas, c'est sûr que t'auras des problèmes. Voilà, prépare-toi. C'est sûr et certain. Vous connaissez des gars de Chamberlain, Chantarlin, je sais pas quoi. Ouais, de nom, quoi. Pourquoi? Parce que, justement, il y en a un qui traîne depuis 3 jours et il demande des bonbons, il vend de la drogue. En fait, il y a des mecs depuis quelques jours qui nous tirent les verres du nez. Savoir si on peut avoir des bonbons, des trucs comme ça. Ah ouais? Ouais. Il ressemble à quoi, ces mecs, Wood? Il s'appelle Léonard. T'as un afro? Léonard. Et c'est... Bah, ça doit être... ça se trouve, c'est eux. Non, c'est Chamberlain. Il m'a dit, Chamberlain, je sais c'est qui. Mais... Bah, c'est soit... Bah, je sais pas, ça pue la mettre chez vous. Donc, c'est un motard. Ou soit... Quelqu'un l'a envoyé, hein. Mais... Personne ne sait qu'on a de la mettre, hormis les gens qui nous ont aidés. Et vous? S'il y a bien les trois fils de pute du début, là, je me suis pris la tête avec, tu te souviens, qui nous ont fourni de l'électroménager, là. Oui, trois petites merdes, là, trois petits branleurs, là. Ils viennent de Néo. Ils ont menacé, et puis après, ils se sont chiés dessus, ces fils de pute. C'est peut-être une vengeance de ces petites merdes-là. Oui. En tout cas, peut-être que les people, ils missionnent des gens, c'est-à-dire, reste sur tes gardes. Là. Ouais, bien sûr. Et si vous avez des photos de Las Fetas? En tous les cas, ils vont tomber sur vous un jour ou l'autre. Mais là, pour la cam, nous, en tout cas, on la revend faisant croire qu'on l'a attrapé sur des saisies. Non, pas encore, parce qu'il en a... Ok. Voilà. Ça veut dire même pour ce prix-là, la vend pas à ce prix-là à quelqu'un qui va la revendre dans la rue, parce que sinon, il va se faire les couilles en or. Nous, on s'en débarrasse direct, on la revend. Parce que vu qu'on n'aime pas les people, bah, au moins, ça nique leur business, là. Plus personne la rachète, vu qu'il y a déjà des mètres de partout. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, pour l'instant, il y a 205. Donc c'est-à-dire là, votre mission, c'est d'en produire un max. Ça, c'est sans compter Mélo, c'est ça? Eh, c'est veille. Bah, est-ce que tu peux poser la question, là, dans le... Eh, Mélo, je peux me chips, là, oh. Ah, sors-toi, tu parles au téléphone. Excusez-moi. Ouais, du coup, je disais, ouais. En gros, là, pour l'instant, si vous voulez qu'on les détruise, en gros, qu'on leur met des bâtons dans les roues, c'est juste, soyez discrets, fabriquez-en à foison. Nous, on la récupère, on la revend à tout le monde, et voilà, quoi. Moi, mes gars, ils sont briefés. S'il y en a un d'eux qui se fait attraper, parce que je pense qu'il y a un de nos clients qui va nous balancer un jour ou l'autre, tu vois. Ouais. S'il y en a un de nous qui se fait torturer, ils sont briefés pour dire, nous, on l'a attrapé sur des saisies. On a attrapé une grosse cargaison sur des saisies, et du coup, on s'en débarrasse, on la revend. Du coup, ouais, enfin, voilà, tu sais, je vais te dire, il se pourrait que... Je travaille aussi pour des méchants garçons. Ah ouais. Qui ont tout intérêt à ce que personne vienne foutre le nez dans mes affaires. Quoi, donc si toi tu m'assures que les pesetas là et les comment les people nation là, si eux ils me chient dans les bottes, ça va balancer du napalm dans tout le sud et dans tout le nord, hein, crois-moi, hein. Ça va chier dans le ventilo. Hein. Mais les gars, pour qui tu bosses, toi? Tu penses pas qu'eux aussi bossent pour? Ouais, je bosse pour les requins, tu vois. Le haut de la chaîne alimentaire. Moi, je suis qu'un lion, tu vois. J'ai pas beaucoup de gens qui me bouffent. Mais au-dessus des lions, il y a les requins. Après. Et il y a trois bâtons devant moi. Vas-y, envoyez-moi. Rigolez, les filles. Non, ouais, rigolez. Vos gueules. Il me stresse, là, il me stresse quand il rigole. Eh putain, je t'avais pas dit de virer tes putains de lunettes de fils de pute, toi. Casse-toi de là et va m'enlever tes lunettes ou je te les fous dans le cul devant tout le monde. Dépêche-toi. Je préfère. Non, c'est pour ça que je t'aime bien, Elwood. Ça me rappelle l'époque, là, ma famille avant. Mon grand-père, tout ça, là. Ah ouais? Kaoui, Elwood, la chaîne alimentaire, tout ça, tout mes couilles. Ouais, ok, j'espère en tout cas. Moi, je te préviens, je fais mon rôle de partenaire honnête. Non, mais c'est bien que tu me dis ça, parce que justement, s'il y en a des mecs qui me tombent dessus et que ça me fait tomber d'autres plans à l'eau, ça va... Je veux dire qu'il va y avoir de la bombe qui va tomber dans toute la ville, hein, et sur ma gueule, et pas que sur ma gueule. Hein.
Ça me gratte. Ok, bon, non, super, contre, merci bizarre, beaucoup. Les NCC, là, le Chamberlain, ils viennent vous voir, c'est très bizarre. Et ils nous ont pris vraiment, hein, ils nous ont pris pour des lapins de 6 semaines. Hein, ouais, surtout hier. Hier, le gars, il revient, il demande, mais j'ai toujours pas trouvé de pharmacie pour les bonbons. Et 10-15 minutes après, un autre gars qui vient, il demande des bonbons. Et oui, mais c'est ça, je te dis, ils sont en train de nous tirer les verres du nez, ils veulent savoir si c'est la même cam. C'était un gars du Nord. Tu sais ce qu'on va faire? Faut que tu brilles vraiment tes gars, que personne parle. Tu sais ce qu'on va faire? Non, si on parle. On va mettre d'autres étiquettes. On va mettre d'autres étiquettes sur notre produit. Ouais, varie, ouais, fais peut-être la baby blue. Voilà. Fais la beach blue. La... Ouais, ouais. Ouais, la beach blue, c'est vachement bien. Même ça. Si tu mets saisie dessus ou un truc comme ça pour brouiller les pistes, non, c'est trop. Ouais, c'est pas. Bah... Non, bah... on va. On a d'autres idées de nom, t'inquiète pas. Allô. Cousin, ouais. Et c'est juste pour les affaires. Non, je te dis pas. Bah ouais. Oh, okay. Je voulais pas tout niquer. Mais j'arrive, j'arrive. Je sais pas, y a rien. Arrête de mentir. Y a rien. Bref. Vas-y, j'arrive. Vas-y. Il faut le gratte, ce sac à merde. Les comptes sont bons, Creepy. Hein. On a toute la marchandise. 418, c'est bon. Je sais pas si c'est 418. Je pense, de toute façon, je vous fais confiance. Mais ouais. Tu peux. Les bons comptes font les bons amis. Absolument. Les filles, à la prochaine, Loot, prends soin de toi, fais attention. Les prochains jours risquent d'être difficiles. Attends, je voulais savoir autre chose. Oui. Les États, c'est dans le Nord, tu m'as dit. Ils sont dans le Nord. Vous avez pas de photos, vous avez rien. Ils sont dans le Nord, ils ont des chapeaux de cow-boy, masques. Mais j'ai rien de plus, rien, vraiment rien. Mais ne les cherche pas. Ils vont venir à toi, c'est sûr. Ouais, bien sûr, évidemment. Juste que tu seras prêt et tu seras méfiant. Je pense pas qu'ils vont venir de la manière forte directe, quoi. Mais en tout cas, ils vont se montrer un jour ou l'autre. Ils sont très, 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 très discrets. Ok. Tellement discret, de toute façon, si... je sais qui c'est. Quoi? Parce que tout à l'heure, quand on a pris des véhicules à la station-service, bizarrement, il y avait des gars avec un accent et ils m'ont reconnu. Je les ai dit, hey, bande de sudistes. Ils font, comment sont les sudistes? Ils ont enlevé leur masque. Comment ça, avec ça? Ils avaient au voiture. Diner? Oui. Ouais, on en reparlera après, d'accord, oui. Ok, c'est bon. Ok, bah écoute, en tout cas, nickel, hein. On se tient au courant, Loud, moi j'y vais. Ouais, fais du bon business. Hey, tes clients, ils doivent pas s'en remettre hein, de ce qu'on fabrique, hein. Bah oui, tout le monde en prend, et surtout tout le monde se pose la question de comment on en a. Donc c'est pour ça que c'est... T'inquiète, je vais faire des belles petites étiquettes. Si t'as des idées de nom et que t'as envie de te foutre de la gueule d'un de tes ennemis, c'est le moment. Oh, je sais. Du canard WC. Hey, Freddy, je sais, ferme ta gueule. Je peux faire de la Blue Sam. De la Blue Sam? Ouais. Ou de la... Comment ça peut s'appelle des people? Je sais même pas. Village? Faut que je vais te dire le nom, je te dirai. Oh, la YMCA. Hey, tu sais, Freddy? Ou de la Jersey. La Last Ketchup. Hey, Freddy, tu sais comment on fait pour avoir chaud aux dents? Non. On ferme sa bouche. C'est tout? Ouais. Allô? Ouais. Allô? Eh, la cam des people, elle s'appelle comment? People, elle s'appelle comment déjà leur cam, les gars? Des people. Ils étaient trouvés des noms. Blue Lagoon, non? Un délire comme ça? Blue Lagoon, ouais. Blue Lagoon, hein, une connerie comme Blue ça. Blue Lagoon? Ouais. Vas-y. Vas-y. Ouais, bah, je sais pas d'idée de nom. Je sais pas. Tu viens de dire Blue Lagoon, c'est celle des people? Ouais, c'est celle des people. Ok, d'accord, ok. Blue, comment t'écris ça? L-A-G-O-O-N hein, en général. L-A-G-O-O-N. Le lagon bleu, je sais parce que. Ouais, allô. Je sais pas. Ouais. La guerre. Allô, ouais, il y a aussi la saphir, je me rappelle. La saphir, si ouais, c'était la saphir. Je sais pas si c'était. La saphir, ça me dit quelque chose. Là-bas, la saphir, là. Vas-y, c'est bon. Ouais. Bah... La saphir, attends, la saphir, c'est à qui? Pareil, people, je crois. La Blue Lagoon, c'est à qui alors? Et ils en ont, en fait, ils en ont tous plusieurs, en fonction du pourcentage, des puretés. Ah. Mais
Et la Blue Lagoon, c'est le top de chez People Nation, alors. Ouais, visiblement. La Beach Blue, commençons avec la Beach Blue. Prochaine cargaison, Beach Blue. Beach Blue. Ouais. Comme des putes. Ouais. Comme la mer. Ok, ça marche. Ouais, t'inquiète, c'est bon, Beach Blue, on mettra. Comme des putes. On est tous des putes un peu dans le fond, non? Ouais. C'est... Mon gars, c'est veille, tu penses qu'il y a moyen, là? Il va dans un coin, là, il... Ah, c'est elle qui décide, hein. Non, c'est elle qui décide. Non, trop de respect pour l'ancien, il a déjà entamé les pourparlers, moi, je respecte. Mais ils sont partagés, on y va, Creepy, on a du retard pour Parce qu'il est timide, c'est pour ça, Lou, tu vois, j'ai envie de... C'est lui qui fait du rap. Ouais, c'est lui, la star. Moi, je veux bien arranger un mariage, mais... C'est bon, ils peuvent tourner dans un clip. C'est pas des putes, hein. Bah oui, bah bien sûr. Mais qu'est-ce qui te fait croire que c'est des putes, franchement? Dis-moi, à quel moment? On est d'accord. Jamais j'oserais. Ils peuvent tourner dans un clip de rap. Si elles peuvent, si tu peux, tu pourrais tourner dans un clip de. Hein? Ouais. Merde. Donc. Non, faut éviter les rapprochements. Un mariage. Un mariage, pourquoi pas? Ouais, l'ancien avec Tatoche. Un mariage discret que nous. Que vous et nous. Ouais, puis tous les O'Neill, on est une centaine. Ouais, ça finira en orgie. Quoi? C'est ta dernière chance, Freddy. La prochaine, je te jure, t'as un trou dans le casque. C'est bien. Bon, bah écoute, on se tient au courant. Un sacré Fredo. Vas-y. La Beach Blue, la Beach Blue. Ça marche. Tu pourrais avoir une dizaine de camions la prochaine fois. Non, okay. Je rigole. On va pas se faire chier. Quoi, tu peux? Sérieux? Pourquoi? Tu veux faire combien? Fais pleuvoir la mettre. Fais pleuvoir, on se démerdera, t'inquiète. 1000? 1000, bon, vas-y. Allez, c'est parti. Ouais. Allez, on tente la tonne. Vas-y. Allez, à la prochaine. Allez, où est le président? Fils de... Et quand il a sorti orgie, j'étais mort, ta grand-mère. T'as failli dans une histoire de fou, wesh, je sais quoi, c'est macabre, là. T'es un malade, toi. Putain, il me tue la tête de ma mère. Ah là là, ils sont bons, là. Putain, ils me régalent. Va bumper, hein, tout ce que je dis en ancien. Ouais, je vois. Ouais. Comment t'as l'argent? Attends, comment c'est full bien cagoulé? C'est comme ça que tu fais tes transacts, toi? Ma cousin, c'est... Là, je vends... Vu que t'as vu, tu m'as fait comprendre au téléphone, t'es potentiellement une balance. Ah, c'est comme ça! Wesh, c'est quoi tout ça, strap, là? Chuchote, là. Tu mens pas, toi. Je chuchote. T'as pris que tu sais dans ton gang, je vais te vanner. Ah, je voulais toujours tuer, manquer. Non, du coup. C'est simple, vas-y, il y a tout dans le coffre. T'as de là, là. C'est si, lui, là, là. Si. Vas-y, ça va balancer le cash, hein. On donne ça à qui? Vas-y, à moi, direct. Vas-y, mon petit Marcus. Carré. Tiens. Et à tout, là, je peux juste raconter, quand même. Ouais, vas-y. Oh, t'es combien? Tiens. Prends, je te repose un peu, là. Ah, vas-y. T'en as souvent, quoi? Vite. Je sais pas, ça dépendra les jours à venir, tu connais. Là, y'a peut-être. T'as vu moyen, je vais quitter Watts, tu vois, carrément. Tu vas quitter le quartier? Et on sera. Ouais, tu connais. Mais si tu quittes le Tchécar, tu vas faire quoi? Tu vas évoluer. Ah, nouvelle étape. Je te laisserai Watts. Aide juste à ton gars de te démasquer à droite, là. Pourquoi il est masqué? Pourquoi il est masqué? Pour vous, vous êtes masqué. C'est la même chose, ça, c'est vrai. Je vois pas. Pourquoi? Mais dis-lui, démasque, là. C'est qui? Tranquille, dis qu'il a son masque tranquillement, moi. C'est tranquille, le gars, je comprends pas. Là. Qu'est-ce qui se passe? C'est très bien. Ghost Dog, c'est pas le naïf. Quel boy. C'est très bien, bro. On devrait se poser des questions. Ah, de quoi tu vas? Moi, l'ancien, je t'expliquerai pourquoi. Vas-y, explique. Vas-y. Va au fond de ta pensée, mon gars. Vas-y. L'ancien, t'as vu tout à l'heure, là, Creepy, t'as dit un truc. Tu vois, quand tu nous as fait le téléphone de ce qu'il t'a dit par rapport à. Ah, il pensait que t'étais une lance-bas, tu vois. Ouais. Il a cru qu'on avait ramené quelqu'un en indique histoire de voir tout ça. Il a capté. T'es bon. Je crois que je suis en 2006 ou quoi, Creepy, quand même. La street, on la connaît, on la boit bien comme il faut chaque jour. À chaque fois qu'on descend, c'est le hood.
Tu sais que c'est le Tiercard, non? Donc, on aurait pas fait ça comme parle ça. Pas, avec des pas comme... Parle plus fort, parle plus fort. Ah! Ouais, bon, ouais, là. Comment tu te fais menacer par les mecs d'El Burro sur Life Invader? J'aime pas trop. Qui va menacer? T'es un gueudin ou quoi? T'as pas vu là? Le mec est. Laisse tomber, ils sont passés au Tiercard, vas-y, ils ont ces tirs avec des straps. T'inquiète-toi, je vais régler. Là, c'est géré là, carrément, dis-toi. Alors où je te parle, considère déjà ça comme géré, classé. C'est bon, vous avez récupéré les bails? Hey, Ghost Dog. Ouais, dis-moi. Je vous aime bien. Tu parles. T'as vu? Tu t'assumeras les conséquences. Les conséquences de quoi? T'as vu que ça a été du plomb dans vos corps. Et on va utiliser nos index. C'est ça qui va se passer. Tu veux allumer qui et pourquoi? Qui t'a fait quoi? Je t'ai dit, si tu parles. T'as vu si quelqu'un est en courant c'est brut. Que je te vends de la bleue, tu sais ce qui va se passer. Creepy, en vrai, quand tu menaces me... C'est vrai que là, en vrai, tu peux m'abattre et je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, c'est pas pour toi, ça, les calibres. Et c'était au cas où t'aurais prévenu je sais pas qui, quelqu'un y débarque en même temps, t'as capté? Ok, j'avais très bien contre toi, moi, il avait pas de confiance, déjà. À la gueule du contrat, j'avais déjà que toi et moi, on pouvait pas trop se faire confiance, mais là... T'as vu ça? C'est quoi? C'est C. Et pourquoi pour Q? Parce que t'as eu ton cul. T'as capté, je l'ai pris. On va pas aller plus loin, hein. Et tu vois, ça, c'est un doigt. Le doigt, je le mets dans le cul. Dans ton cul. Donc, il n'y a pas de balance ici. Non, tranquille, pas de balance. Le contrat, je t'ai pas baisé. T'as donné une grosse... Mais c'est quand on change les bails, là? C'est quand on change les... Laisse-moi trouver. Comment ça? Pourquoi je le ferai? Si je le fais pas, je suis bien, moi. Viens, on appelle le baveux, on change les trucs. Mais moi, j'ai pas envie. Si je fais ça, c'est qu'il faut que je gagne quelque chose. Mais tu vas gâter. Tu vas faire plus d'argent. Mais plus d'argent, pourquoi? Parce que là, t'es en grève. Tu fais de l'argent, c'est ça? Fais des musiques, et ben, t'auras de l'argent. Non, on change le contrat. C'est écrit dans le contrat. Ensuite, je suis productif. Fais des musiques et après, on changera le contrat. Non, on pourra discuter. Je suis la personne, moi. C'est comme si là, je tape. Écoute, mec, t'as signé un contrat, mon gars. C'est le contrat, c'est ta signature. Ghost Dog. D'accord. Sur toi, c'est tout. Bien sûr, mais si tu changes, tu dois aussi encourager ton artiste. Tu crois que ton artiste, c'est ton chien. Fais, mon gars. Les droits d'auteur, tout ça, on a tout payé. On a tout payé pour toi. Si tu mets pas dans les bonnes conditions, les sons, ils sont... Nous, on a vendu de la cam pour payer ta sortie, pour payer tout ce genre de trucs, les covers... Tu crois que c'est gratuit tout ça ou quoi? C'est l'investissement. C'est pas une question que c'est gratuit. Moi, je sais que ton investissement, tu peux le récupérer. Je vais te faire des bons sons. Mais pour ça, mets-moi aussi dans les bonnes conditions. Mais toi, tu m'as parlé d'un contrat, mais... Tu m'as même pas fait encore un son où je dis Nord-Watt dedans. NWR, t'as rien fait encore. On va balancer les exclus. Cousin, ça y est, Ghost Dog, fais vite. Parce que quand on va se réveiller, on va se dire, vas-y, lui il nous prend pour des cons. On met de l'argent sur lui. Il fait rien. Oublie pas Tupac comment il a fini. Bizarre, ce qui va se passer. Oublie pas Tupac comment il a fini. C'est ce qui m'appelle. Tu bout de sa vie. Cousin. Moi je veux pas rappeler. Ça monte, hein. Si on change pas le contrat. Parce que c'est toi qui l'a dit. Hein, allez voir, allez. Ça doit être le mec de chez nous, attendez, Change le contrat. On fait les bails. C'est toi qui l'a dit. C'est même pas comme si. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'en avais parlé. Il y avait un plafond à faire. Le plafond. Bah tu l'as fait. Non, on l'a fait. T'as vu, tu fais des sons. Je trouve un truc que j'aurais besoin de toi, que tu feras ou j'en sais rien. Et en échange, je refais le contrat. Mais pour l'instant, je vais pas le faire, t'as vu? Pour l'instant, je vais pas le faire, Ghost Dog. Il faut que ça rentre dans ton crâne, non. En tout cas, je le ferai pas gratuitement. Aïe. Faut travailler pour mériter salaire, mec. Ah, crépé. Donc tu veux pas me passer mes sous? Quels sous? Ah, déjà là, mes sous, là, déjà. Pour les sous, non, tiens, t'es fou, quoi. Donc là, le contrat, tu veux pas le changer? Non, Ghost Dog, réfléchis un truc qui pourrait aller dans le sens de Creepy pour que ton contrat change le plus rapidement possible, comme ça tout le monde est content. C'est juste non, ça. En gros, vous êtes en train de me dire, vas-y, sois patient, fais des sons, mec. Donne-nous ton fiac, comme ça, on tape dedans et on chicra bien dedans. Et après, tu repars du quartier. Rappelle-toi, on avait trouvé un argent dans ton quartier, ça s'est mal passé. Enfin, ça s'est pas passé comme prévu, on a eu zéro retour.
Là, je trouve un autre petit truc. Cherche la pelouse. Pour que ton contrat il change rapidement. Notre but, c'est pas que, que ton contrat reste comme ça. C'est que chacun il trouve son compte, Ghost Dog. Et là, tu fais l'impatient. T'as vu comme là, j'ai vendu de la cam à du monde. Y'a que toi qui a rendu fou. Ouais, tu veux négocier mon dollar près. Et à force d'être trop gourmand, t'as vu, on va. T'as vu, hein. Vraiment, c'est comment tu veux, que tu veux qu'on te coupe les vivres ou quoi? C'est quoi? Directement les grandes menaces. Ah, ça non, c'est pas des menaces, t'as vu, on peut pas parler avec toi, tu vois, tu prends tout comme une menace, Maïji, t'es un enfant ou quoi? T'es un enfant ou quoi? Là, t'es en train de pleurer pour ton contrat, pour quelques... Pour quelques quoi? Quelques dollars, mon gars. Non, toi, mon contrat, toi, tu n'en sais, mon gars. C'est pour ça que tu parles, c'est parce que mon contrat, tu l'as pas lu. T'as fait quoi? T'as fait qu'un son? Bah vas-y, dis-moi, je toutouille, vas-y. Et puis même le son, là, il a rapporté combien? T'es au courant, ça? Ça a rapporté 80 000, t'as pris 13 000, t'es pas content. Tu veux prendre combien? Bien sûr, je suis pas content. Tu veux prendre 20 000? C'est ton temps. Ah non, 13 000, il crache sur la soupe, la vie de ma mère. Vas-y, je redave un peu comment ça se passe. Pour 13 000, il y en a, t'as vu, il fume des gens. Pour 13 000. C'est quoi, 13 000? T'as pris 13 000, cousin, t'es pas content? Les 13 000, je te l'ai fait là, dans la street, là, je te viscère tout, c'est fini. Les 13 000, je l'ai fait en 15 minutes. Vas-y, prends la chaise, c'est bon. Eh, t'as vu, ouais, tu l'as fait dans la street, mais avec quel risque? Déjà, tu vends même pas, cousin. La plage déjà, au Crimson. Une belle voiture, là, au moins, tu pourras. Et je la reprends en 2 minutes. Qu'est-ce que tu me racontes, cette plage? Tu fais de la musique. Ça, c'est rien, ça. Ça, c'est rien du tout. Écoute, mais bon, vas-y. Sois patient. Bosse la musique. Et t'inquiète voilà, pas. Écris, cousin, rap. Rap. Nous, on s'occupe de la rue. Toi, non, rap. Tout ce que t'as à dire là, et après, t'inquiète pas, l'argent, il va rentrer. Écris, mec. T'as de l'inspi. C'est ça ou pas? Bonjour. Les gars derrière, non? Eh ouais, mon frère, c'est ça. Vous en pensez quoi, les gars? Comment ça t'a... Okay, les gars, vous en pensez quoi, vous? Vous en pensez quoi? Parle honnêtement, dites-moi. C'est bien, non? C'est des top 1, quand même. Des top 1. Merci, ouais. Qui d'autre? Vas-y, lui, il est encore à l'école, là, quand tu lui demandes un avis. Il fait des putains d'études. Il s'y connaît. Il s'y connaît tout ce qui est chiffre. Les gars, il est même pas top 1. T'as vu top 1, là? Grave pas top 1. Il est top 1. Dans les trucs de stream. Jersey, il est plus là. Il est éteint, ça y est. Enfin, on l'a vu, j'ai regardé tout à l'heure, il est éteint, Jersey. Ça y est, top 1, c'est Ghost Dog. Ouais, mais sur l'application. Les gars, t'as vu, réfléchissez, trouvez quelque chose où. T'as vu qui nous intéresse? Ouais, dis-toi que là, t'as le top 1 des ventes là. Non, bah les couilles, dans tous les cas, si je veux ne pas augmenter le pourcentage, il est toujours, t'as vu, à NWR Record. C'est-à-dire là, je fais le bon, je vous dis vas-y, mais trouver quelque chose d'intéressant pour nous. Ok, vas-y, ouais. Donne-nous un service, propose-moi que tu vas faire, je te fais ton boulot, je job ton bail, on change le contrat, on n'en parle plus. Je t'envoie patate sur patate. Album, l'album il sort, double album. Triple album. Ah ouais, Roy Joseph. Eh, hein. Venez. Faire bosser, hein. Toi, je crois fort. Je dis, on va le faire bosser. Après, hein. Ça fait un truc de fils de pute, mais on lui dit quoi? T'as ramené 2 People Nation. Non, c'est sûr. Non, ça c'est bien, ça, j'aime bien, moi. Mais vas-y, c'est. Il y a moyen, il va tenter une manigance, chap. Vas-y. Les gars, tout au moins, il va dire ouais, vas-y, People Nation, regardez, il y a Creepy, vous, il y a moyen, vous jouez les jetages, les gars. Si vous devez juste faire un truc comme ça. Mais, ouais, mais lui, il a rien à gagner à nous baiser. Ah, bah, je sais pas. En vrai, tu lui mens en mode, tu lui augmentes bien, tu vois. Après, tu le baises encore. Non. Simple. La vie de ma mère, très simple. On lui dit, il fait une transaction avec les People. Oui, c'est nous, ce que on vient dire. Avec lui, on braque les People. Et lui, il sera passé pour une victime. Mais là, faut vraiment être cagoulé sa grand-mère, hein, parce que c'est qu'il y a que des renois chez lui. Ouais, en plus, il dégaine le pompe et tout, vas-y. Faut l'arrêter à la fin de sa grand-mère, les gars. T'as vu, au pire, pendant la livraison, t'as vu vraiment, on laisse la livraison couler. Dès qu'il dit décharger, t'as vu, dès qu'on est dans leur dos, dès qu'ils sont en train de. Ouais, voilà. Ces fils de pute, c'est-à-dire qu'ils sont toujours sous peupon. Ouais, la vie de ma mère, chaque transac, ils ont les peupons, non? Dans les mains. Ouais, c'est pratiquement. Ou même, je sais pas, ils demandent juste un rendez-vous, au pire. T'as pas besoin de, je sais pas. Parce que t'as les transactions, c'est sûr qu'ils auront les pompes. Marie-nous, rendez-vous, que vous on va les baiser. Ah, mais attends, mais eux, ils connaissent les people ou quoi? Ouais. Pourquoi ils prennent la cam à chez nous? En vrai, là, c'est trop tôt, on se précipite trop. Ouais. Là, on lui dit quoi faire pour augmenter de 5%, un petit truc. Ça, c'est une dinguerie, ça. Il nous ramène Cheveux Longs qui fait le malin sur les réseaux. Ouais, Roca, il s'appelle. Roca, c'est un mec d'Elbourg. Et un autre truc, moi, je veux qu'il ramène les deux mecs qui ont voulu shoot, là.
Lumière. Après, je sais pas comment il s'appelle. Il Mitch là, mes couilles là. Ouais, mais je sais pas ce qu'il ressemble. Et... Ça se trouve, ils les connaissent même pas, ça c'est bizarre. Le plomb là, le plomb là. Les deux habitants qui ont voulu attends. Shoot, là. Attends. Mec de Sam là. Attends, j'étais non, 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 t'étais pas là. Attends, je vais te dire comment il s'appelle. Il a mis un poste et tout. Il s'appelle. Et DC, Dimitrius là. Zach et Zach DC. C'est marqué Zach DC. Mais comment tu sais l'ancien avec ton prof photo ? DC, c'est quoi DC ? C'est son blase, c'est Dimitrius, je le connais moi. Et son pote, c'est quoi ? Oh putain, je me rappelle plus. Bird ou pas ? Bird. Je dis tous les blases, Bird, Pearl. En vrai, tu regardes dans ses. Attends, je vais te le dire. Tranquille. Zach, il parle. Aïe! Moi. Zach. Il parle. Zach. Je sais pas c'est qui, je sais pas c'est qui baisse ça. Je parle de là, si ça monte, ça monte le truc. On fait quoi? On leur dit quoi? Déjà, dis-lui Roca et. Tu le mets Roca, lui, il a fait quoi en fait? Bah, il a mis une photo de. T'es grave sur son lui, live. Lui, hein. Il fait que de faire des posts sur son live. Il a dit, va mettre une photo par jour. Un peu trop, ça. Ah, mais lui, on va le baisser, on va le couper les jeux. Là, y a plus de temps à faire. Je augmente de 5%. Ouais. Là, c'est un petit truc, hein. Tout le temps, je vais demander des petits trucs. J'augmente de 5, tu me ramènes Roca. Roca? Ouais. Commence ça pas à faire. Il est pas, c'est pas compliqué, il se cache pas, il sait même pas qu'on le cherche. T'as vu, tu me ramènes Roca. Vas-y, c'est noté. Franchement, il a les cheveux longs. Il est même pas inquiété. Ouais, c'est donné. Hein. En plus, il a dit c'est toi le prochain Ghost Dog. Le prochain de quoi ? Réel, réel. Bah, il t'a menacé sur les réseaux. Réel. Ça, vas-y, je fais pas attention à ça, moi. Vas-y, laisse-moi. Les mains, tu devrais. Les mains. Hein ? Oh là, quel bail ? Levez les mains. C'est une blague, les gars. Tranquille, baissez les mains, les gars. Si on se casse, là. Ouais, ouais. Vas-y, les gars. Regardez, c'est plus celui-là. Avec elle, c'est nique ta mère. Nique ta mère, c'est quoi ? Regardez-les. Allez, ça couche, là. Allez, viens, on va sécuriser le Rex. Dans le max, c'est une sas. Plein. Remplir le safe, comme dirait mon gars. Les gars, je pense que ça va tenter un bail, hein. Attention. Oui, bah oui, c'est toi qui conduis le. Bien sur B en mode BSB. Ah, ton cousin Zach. Ouais. Mais tu sais, vraiment, au début, quand on arrive avec mon cousin, on les piétinait tous les jours, on leur mangeait leur zone, ils faisaient rien. Et là, ils t'ont planté, hein, les mecs de Crimson. Putain, c'est une dinguerie quand même. Les petits fils de pute. Et ton cousin Zach fait quoi en ce moment ? Avec toi, c'est tout, quoi. Ouais, tu connais. Il biffe à droite à gauche. Hein. Il est là, là. Quoi, creepy. Ouais, il est là. Il est où ? On vous met sur un petit plan. Ouais. Moi, on vous met sur un petit plan. C'est qui lui ? C'est le cousin à Zach et c'est des habitants à Sony, tu connais la famille. Ah, vas-y, Zach, viens voir. Il est trop chaud. Il est trop chaud. Zach, viens. Ouais. J'ai rien compris, moi, j'étais bourré. On reste là, on va dehors. Ouais, non, venez, on sort. Vas-y. Dépêche-toi, attendez, je vais vraiment la bière. Ça a vraiment aucune chose. Je vais vraiment aucune chose. Monsieur l'Américain ? Oui. Il y a mon ami, il veut vous checker. Vous voulez checker ou pas ? Parfait. C'est moi, je vous check. Vas-y. Oh, il ose pas trop quand même. Je vais choquer sa grand-mère, hein. Il veut me faire le mec qui choque. Vas-y, viens. Viens. Attends, c'est ça, frérot. Les gars, c'est de checker un mec ? Ouais. Tiens. Mais tu es mon gentil. Oula. C'était pas trop un check, ça. Merci. Comme ça dans le hood, hein. T'as vu, à chaque fois que je viens ici, là, devant la boîte, il veut grave se renseigner, surtout, il est grave bizarre. Je sais pas si vous le connaissez. Il a le bi ? Je sais pas comment il s'appelle, je sais pas. Un petit blond, comment ? Et c'est quoi sa coupe ? Je sais pas, il est toujours devant le Bahamas là, ou devant ici là, non, il raconte ça. Tu parles d'Emerson ou je sais pas quoi. Ah, je sais pas. Et vous faites quoi en ce moment là, à part votre embrouille avec Crimson ? Pas grand chose. Je connais, on fait une petite maille à droite à gauche. Hein. C'est les Crimson qu'il faut taffer ? Non, du tout. Justement, on est en embrouille. En gros, c'est les petits à Sony, t'as vu ? Ils sont fait planter par les mecs des Crimson. Non, je peux pas planter moi.
L'autre. Non, moi. Et pourquoi il vous a planté? Tu connais. Quand il a chlassé, alors que vas-y. Il savait même pas s'il était sûr de lui, c'était moi qui avait fait le machin. Vas-y. Non, mais un coup, je chlasse comme ça, il était énervé du début à la fin du rendez-vous. Même sa collègue, elle était là, vas-y, laisse tomber son fils de pute, mon collègue. Capté, j'ai capté. Mais vas-y, au calme, c'est pas grave, on va le retrouver, il va lui arriver des bricoles. Sinon, plan braquage et tout, vous êtes chaud là? S'il y a du bif à faire ou pas? Toujours, hein, s'il y a du bif, on est là. Ouais. Il y a plein de plans en ce moment, et je te mens pas. Nous, on a plein de gens impliqués, mais on n'a pas trop d'habitants, t'as vu? Ça dort, hein. Ouais. Et Sony, tout, ils disent quoi? Ça fait au moins 48 heures, je n'ai pas vu. Ouais, ben même moi. C'était un peu compliqué, je crois. Comment ça? Compliqué, je sais pas, d'accord. On devait le voir et au final, on n'a pas eu de nouvelles. Et là, on attend, je ne mens pas. J'ai capté. Passez-moi. Tenez mon numéro et envoyez-moi un message chacun. Mais moi, je l'ai ton numéro. Vas-y, au revoir. On s'est échangé de numéro ou pas? 555 38 ouais, 849 849 ouais. J'envoie un coup que t'es pas noté, mais. Et c'est comment? Parce que c'est moi, je sais que les deux. Tu m'envoies un message ou pas? Ils sont moins ouverts avec les Renois. Comment vous avez fait? D'accord. Bah, tu sais, nous on est là depuis le début, hein. Depuis le début, on s'entend bien, pas de galère. Je pense que ça doit être ça. Hein. Ah mais moi, je sais pas si vous êtes au courant, mais Sony m'a tiré dessus. Ah ouais? Non, faites pas genre, c'est bon. Je te jure. Bah, c'est toi qui me l'as dit l'autre jour, je crois, au téléphone, non? Non, je te l'ai pas dit au téléphone, mais Zach, il sait, c'est sûr. Non. Jure. Parce que je t'ai dit, on n'est pas encore avec... Ouais, je sais, vous n'êtes pas affilié, mais... Ne dis pas... En gros... Ce qu'il fait, hein. Non, mais je t'explique juste. Je te dis ça par rapport à quoi? Par rapport au fait que... En gros, moi, je me suis pris la tête avec Sony. Allô? Parce qu'il reprochait à Creepy... Ouais. D'avoir ramené le mélange à Watts. Je sais pas si tu comprends. Je te le dis. Ah, ça va, Bakoui. Ok. Moi, c'est là l'entrée, t'es mort, là. Ah, c'est où? T'es là, c'est là. Moi, c'est où je suis? Le chaud. Voilà, faut pas se laisser faire. Et en gros, de base, moi, je l'ai... Mais non, d'ici. Bien noté. Tranquille. Moi, de base, je l'ai croisé en boîte. C'est qui, lui? Les gars, frère, reste pas trop là, Naughty. Vas-y, je repasse après, vas-y. Tranquille. Ouais, repasse après, fais donc ça, frérot. Je sais pas. Ouais, je vous disais, et de base, moi je l'ai croisé à l'unicorne, moi. Que, non moi je l'ai croisé à l'unicorne, Sony, je lui ai dit, il est pas avec vous? Non. Il avait la même coupe. Ah. Et du coup, Sony, il avait dit, ouais, creepy, ouais, pourquoi tu ramènes des Renault à tout ça? Non, je te mens pas, ça m'a foutu les nerfs, du coup, je lui ai mal parlé. Et au final, j'ai pris 2 balles. C'est pour ça que ça m'étonne vraiment qu'il y ait des Renault comme vous qui, tu vois, qui traînent du côté là-bas, hein, parce que vraiment, ils sont en mode de suprémaciste white, tu vois. Ah ouais, KKK ouais, et tout. Ah ouais, vraiment, hein, méchant. On God, ouais. Sur le set, sur les potes morts, tu me suis? C'est-à-dire, ouais. Moi, nous, on a beaucoup de missions, on a pas trop de trucs. Mais c'est juste que, en gros, les gars, si on vous tend la main, c'est pas en mode vous traînez chez nous ou je sais pas quoi. C'est juste que vous mêlez pas des histoires des adultes quand ça part en couille de temps en temps entre nous. Tu me suis? Ah ouais, tu connais. Vas-y. Non, parce que faut pas tout mélanger. Bah vas-y, écoutez, si vous avez un plan proposé, nous on est là. Hein. De toute façon, dès qu'il y a du bif, on est là, hein, tu connais. Et vous vivez de quoi, vous? J'ai déjà séché de ton tel, wesh. Vous vivez de quoi, vous? Bon, on voit un petit peu de cam par-ci, par-là, et voilà, on fait nos affaires. Hein. De cam, de la verte, de la bleue, de la blanche. De tout. Tout est bon à prendre. Vous avez un petit billet de coffret, là, s'il y a des affaires pour vous, à l'occasion? Ouais, toujours. Vous prenez par genre combien, environ? Ça dépend, bougez ça dépend. Bougez pas, les gars. Putain, vous me faites des plans chelous, les gars. Non, venez les déconner. Qui, nous? Oui, vous. Je cours, moi. Ça vous la voiture? Je pars là, ils croient, les gars. Tu vois pas ça, ce qui est broken, non? Pourquoi vous parlez mal? Ça, hein? Vas-y. C'est pas une dinguerie, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont pas pris une voiture? Oh, la dégaine, mon gars, mais des chaussettes, hein.
C'est pas le nord. Mazaru mes couilles. Ouais, ah, je sais pas, c'est apparemment, c'est pas... J'ai pas entendu. Non, les gars, je suis trop fort, putain. Mais pourquoi ils sont venus avec une voiture de place? Pourquoi ils ont fait ça? Bah parce que, frérot, t'as vu, on est 10, mais y'a pas 10 cerveaux au monde, là. Ça va pas vouloir offenser tout le monde. Hey, dealer, what? Dealer, en plus, what? Alors, bougez pas, grave timide, à tout moment, je monte pas dans la voiture. La vie de ma mère, j'ai, moi, je vais pas. Bah si, même nous, on a même pas peur, fallait qu'il nous fasse peur à nous. J'ai même pas eu un peu peur, la vie de ma mère. Allez, à deux doigts, je mets une tarte, je prends son calibre, je dis, retourne à tes affaires, là. Alors, hey, quoi, tu sais que je débitais des conneries, mais moi, ouais, je vais juste voir si Zach, c'est le shooter, là, qui nous fait le mec qui va venir nous pop à chaque fois, là. Ah, c'est lui. Bah voilà, moi je veux bien qu'on aide ton daron à faire l'extinction, ils sont plus beaucoup. Autant couper le mal à la source, sur le set, sur les potes morts. Ah, lui, Zama, ça veut le payer pour me fumer! Ça veut le payer pour me fumer! Comment il reste en vie? D'ailleurs, il y a trop de gens qui veulent me tuer, Creepy, on est obligé d'en éliminer certains, sinon je vais vraiment mourir! Non, tu comprends? C'est. Non, il y a grave des gens qui veulent me tuer! Mais pourquoi ils ont jamais réussi? Moi, c'est ça qui me... Pourquoi ils ont jamais fait? Alors qu'on se cache même pas. Regarde, rien comment on était là, devant. T'as vu là comment on était devant posé? Ça fait 10 minutes, je raconte ma vie avec eux. Je sais pas comment un mec d'El Bourou, je sais pas d'où, il s'est pas dit, je vais envoyer un message, je vais venir les ramasser. T'as vu, je comprends pas. Mais faisait quoi? Tu penses, Emi Toko, était en train de baiser dans un parking, là, à deux dans la voiture? Peut-être, hein. Mais peut-être, mais si c'était le cas, c'est Emi qui est en train de baiser Toko, en tout cas. Ah, elle aime tuer. Mais ma mère, le braquage le plus... Le plus... Timide. En fait, c'est d'avoir le démon, les deux, là. Sur le set, sur les potes morts. Ouais, vraiment, je sais pas ce qui leur prend, ils sont trop cons de sortir avec moi. Mais tu sais, carrément, on peut même les livrer au Crimson le blond là, mais on n'a pas son numéro, j'ai la haine. Ils sont où? Je sais pas du tout. Non, je leur avais dit what, putain, je suis con. Bon, en vrai, faut pas les ramener à what, sinon ils savent que ça vient de nous. Et bah, les couilles, là, on va aller les voir, moi je vais les enculer là. On va, on les baisse. Okay. Ah, ok, en mode. Hein, ouais, je captais. Elle où la pose, elle est loin? Attends. Celle que t'as mis là? 600 ouais, mètres. C'est juste là, ouais. J'avoue, tu. Mais ouais, mais les Crimson, ils viennent de le planter, c'est dire en vrai, ils s'en battent les couilles, je pense. Ah, ils ont séparé les deux déjà, non? Le boulot, ça. Eh, regarde. Eh, moi je cuisine celui de droite, toi celui de gauche, on essaie de savoir combien ils ont été payés, ils ont déjà tiré sur qui, tout, la totale. Et on voit ce qu'on attends, fait. Attends, je vais tabasser direct, hein. Vraiment. Mais non, oui, fais oui. Monter petit à petit. Ouais mon gars. Là ça vaut quoi? Bien. Je sais pas, hein. Bien. T'attends de me dire. Bien. Hein? Tu me fais le shooter du coin, toi. De quoi? Tu me fais le tireur du coin, toi. Comment F-t'es ça? Lève tes mains, fils de pute. Ouais. De toute façon, t'es tiens. Donne-moi ta bière, donne-moi. Je vais me bourrer la gueule, c'est... moi. Comme ton paquet de cigarettes. C'était putain. Tu me fais le shooter, hein. Tu veux tirer sur des gens. Comment ça, je fais le shooter? Tu veux tirer sur des gens. T'es très bien, cousin. Ouais, à part les Crimson, et je vais tirer sur personne. Hein. Mmh. Regarde, c'est vous. N'hésite pas. Pas d'hésitation chez nous, c'est vous. Non, t'as vu quand t'as tiré sur le petit boulon, là. Ouais. Ensuite, regarde, si vous avez eu l'occasion, attends. Attends, c'est où? Et si vous croisez Ami et Amy, shootez là, revendiquez mon blast, bien vu. Oh, vas-y, ouais. Maïji, ouais, désolé, je viens de me réveiller là. Vas-y, Maïji, désolé, je viens de me réveiller. Hiberné, carrément. Tu veux shooter Amy, toi? Mais vas-y, ouais, dès que je la vois, je fais ça. Dès que je la vois, je fais ça, hein, tu viens de dire. Attends, j'écoute l'autre. Hein? Non, t'inquiète, y'a mon cousin là. Y'a mon cousin aussi. Ouais, t'as capté? On s'en occupe, hein, t'as dit ça. Hein. On s'en occupe.
Qui Naughty? Ouais, mon gars, ça fait des soirées. Naughty, c'est le mec qui est passé tout à l'heure. Je lui dis dégage. Ça, c'est Asian Boys pour Asian Boys. On fait comment? Comment on s'arrange? Maintenant, je sais que t'as, tu voulais tirer sur des gars à moi. Voire moi, hein, si j'aurais été à côté ou quoi. On fait comment? Je sais pas. Des dents de sacré salade, là, mon gars. La vie de ma mère, je sais pas comment on va régler ça, mais on va le régler, hein. Ah, c'est à toi, la chaîne NBA? On te l'avait volée une fois? Ouais, c'est ma chaîne, ouais. J'ai pas compris. T'as dit quoi, en fait? Bah, je voulais voir lui. Ouais, ils veulent t'attraper. Ouais, vas-y, prends-lui. Tiens, ton téléphone, on bat les couilles, là. Ça va ou quoi, DC? Ça va, et toi, la DRH? Pourquoi tu veux me shoot? Ouais, tu connais, c'est pas... C'est... Cousin, laisse-le en état, tu vas pas là-bas, je l'ai bien cuisiné, il est debout. Hein? J'ai tapé sa tête contre le mur. Oh, je sors ma biche, je te pisse dessus, hein? Non, parce que c'est le mec qui est au courant de rien, alors qu'il était grave chaud, là. J'ai rien fait, j'ai même pas shooté, je sais même pas de quoi vous parlez. Non, c'est quoi ton blaze? Moi, c'est Zach. Zach, mais je vais t'enculer, je vais te faire des trucs de fou. On sait, cousin, t'as vu, tu devais shoot sur Amy et Savage. T'as Et ça savait, je le connais par sa musique, on s'est rencontrés. On s'en bat les couilles, Emmy s'est très bien traîné avec nous. Savage s'est très bien traîné avec nous. Emmy, je la connais même pas. Hein? Mais comment tu. Lui, il te dit Jersey, il te dit un blaze, il dit ouais, tire sur lui. T'as direct dit oui, je suis chaud. Mais regarde mon téléphone, j'ai même pas le numéro à Jersey. Jersey, je le parle même pas. Enculé. Ouais, bah ouais. Et toi, c'est quoi? Toi, c'est quoi ton blaze? D'ici. Et lui là-bas, c'est Zach. C'est ça. C'est quel vous deux qui devez tirer? Peu importe. Mais le plus, le plus de chance de celui qui tire, celui des deux. Choisis bien, frérot. Comment ça, le... C'était qui des deux, Calais? C'est toi? C'est toi qui aurais tiré? Ouais. Et lui, il aurait tiré ou pas? Je sais pas. Mais là, comme je disais à Amy, tu vois, ça fait deux jours, deux, trois jours, on a été missionné pour faire le truc, y'a rien qui... Ah, encore heureux, y'a rien qui se passe. Les couilles, deux, trois jours. En tout cas, t'as dit oui, tu vas voir. Ton pétard, tu l'as eu comment? Je l'ai acheté, hein. À qui? Je balance pas les trucs comme ça. Non, mais là, tu vois le faire. Oh là là, mais toi, mais... Bah vas-y, tu connais les PN, je pense. Ok, ouais, voilà. En tout cas, m'en bats les couilles, c'est juste pour savoir si c'est pas eux aussi. Bref. Je t'ai croisé combien de fois, Savage? Je t'ai croisé 1000 fois. Pas après que t'étais missionné, mon gars. Mais bien sûr que si, on s'est croisé. Et il a dit, l'autre, il a dit, il a vu ma mère, il a dit. Je lui dis, c'est qui allait shoot? Il a dit, peu importe, un de nous deux. Parle un peu, parle des couilles. Ramène-moi, je t'ai dit, je parle pas avec Jersey. Je lui parle même pas, je parle avec Sony. Mais t'as vu? Sony me vend de la drogue. Il te vend quoi comme drogue? Kipi, montre-moi comment tu sautes, s'il te plaît. J'ai un petit, moi. Montre-moi comment tu sautes. Voilà. Hein? C'est bon, de la weed, j'ai un petit. De la weed, devant quoi comme weed? Je sais pas, moi je la vends dans la rue, je te mens pas. Il te la vend à combien? De quoi? Il te la vend à combien? Lève-toi, je crois que c'est... Lève-toi. Prends son téléphone. Lève tes mains. Tiens. Sur mon téléphone? Ouais, lève tes mains. Lève tes mains, y'a pas de téléphone, lève tes mains, cousin. Tu comprends comment? Hein, Zach, t'as du mal, hein? Ah, désolé. Tu nous fais le top shooter sur les réseaux, là, t'as du mal à lever les mains. Sur les réseaux, j'ai... Grosse bite, hein, grosse bite bien dure. Pourquoi y'a une gâchette sur ta bite, y'a un canon, y'a... Ah ouais, pourquoi ta bite, c'est un pistolet? Petite salope, t'as vu, aujourd'hui, tu vas nous sucer, tu vois? Tu vas nous sucer, tu vas bien aller, t'as vu, dans tout ce qu'on te demande, tu vas répondre. Sinon, frérot, ton pétard, je vais le prendre. T'as capté? Oui, je te réponds tout depuis tout à l'heure. Donc, en fait, toi, tu suis personne, mais tu marches calibré. Mais il marche calibré. Alors, t'es un petit. J'aurais voulu te shoot, savais, je l'aurais fait depuis longtemps. Tu crois que j'ai oui, mais on a déjà la preuve de ça. Hein. J'ai plus besoin que tu me dises oui ou non. Mais j'ai shoot personne. Oui, tu m'as pas shoot. Mais tu vois, on t'a proposé, t'as dit oui, et là, t'es calibré. Et t'es censé être un petit qui baigne pas. Comment t'as un calibre dans les mains si tu baignes pas? Mais je t'ai dit, je fais des affaires avec Sony depuis tout à l'heure. J'ai pas dit oui. Que. Et du coup, Sony, du coup, tu baignes. Tu baignes. Il m'a jamais dit de. Tu baignes ou pas? Quand t'as appelé Drake, t'as fait quoi? De quoi? T'as appelé Drake, là, vous parlez de quoi? Bah, Drake, il voulait juste me. Qu'on s'appelle? Me donner des munitions. Tu les as pétées ou pas encore? De quoi? Non, pas du tout. Continue, c'est vachin, c'est ton gars. Hein. Putain.
Je vais te piétiner ta grand-mère jusqu'à que tu vas mourir, jusqu'à que tu dises la vérité. T'as vu? Bah, je te dis la vérité. Tant que j'aurais pas... Non, non, non. La vérité, elle est tout autre. Ça faisait les habitants il y a deux minutes, là, vous baignez, vous êtes calibré, tu fous ma gueule. J'ai pas dit l'habitant, je t'ai dit Peter, je travaille avec Sony. Oh, putain. Piétine ta grand-mère. La quoi? C'est marqué quoi? La quoi? C'est quoi ton fond d'écran? La quoi? C'est marqué? De quoi? Au fond d'écran, le drapeau, c'est marqué la quoi? La mélo. La mélo? Ouais. Vas-y, chante, 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 salope. Fais-moi de la mélo, là. Chante, chante, fais de la mélo, là. Oh! Vas-y, Barnaboy, on t'attend, là. Hein? No lack gang, you know what I'm saying? I gotta shut your ass. No lacking, no lacking, no lacking. Mais par contre, pourquoi t'as pas dit no lécher le sol, hein? No sucking de trottoir, hein? Oh! Toi, tu voulais me shoot, toi. Oh, Zach, cousin, oh! Sur ton crâne. Oh, bouffon! Oh! Je te mets des petites baffes, là, hein? Oh! Oh! Oh, salope! Et ramène une bouteille d'eau, là, vide-lui dans sa tête. Vas-y, vas-y, je vais la prendre encore, ça va être facile comme ça, hein? Ça, c'est une horreur, elle t'a envoyé ça va, tu sais, je lui ai répondu quoi? Oui, si tu me suces. Toi, je vais te niquer ta vie, toi. Toute ta vie, tous tes plans, je vais te détruire, toi. Toi, t'es allé tirer sur des gars, moi, la vie de ma mère, des petites watts. Allez, tire sur moi. C'est une dingue. De l'eau, des petites tartes dans ta gueule, là. Oh. Réveille-toi, fils de pute, réveille-toi. Réveille-toi. Oh! Je t'explique, la prochaine étape, c'est la mort. T'as vu? Comment ça dure aujourd'hui? C'est pas fini. C'est pas fini, fils de pute. T'as vu? Hein? Je suis la faucheuse, tu crois qu'on m'appelle Savage. En plus des aides, c'est quoi ces sommes là? T'as vu un mec comme moi là, quand ça te demande de le fumer, demande 20k, 30k, 40k, 50k, 100k. Pour des 5k, des 4k, tu t'envoies au charbon pour finir piétiné sous ma semelle comme un bouffon là. T'es fausse Air Force Louis Vuitton là. La vie de ma mère, pourquoi t'as ça? Réponds là, putain de ta mère là. J'ai rien fait, j'ai... Assume si tu veux rester en vie, t'as vu là? Je suis en train de t'aider. On t'a proposé de me shooter. C'est vous deux. Ton gars à droite, il a dit c'est vous deux qui. Attends, c'est vrai, j'attends. Je vais le tuer, moi. Les deux à droite. T'as vu celui à droite, il a dit que c'est vous deux. T'as vu qu'il allait tirer, peu importe. Et c'est toi qui a le pétard et c'est pas lui. Hein? Je t'ai dit, j'ai rien fait. D'ailleurs, maintenant, explique-moi pourquoi je te nique pas ta mère. Parce que toi, t'as vu, t'es un petit droite. T'es un petit. Ouais, mais j'ai. Tu le sais, ça ou pas? What, ça qui, fils de pute, ça qui? Hein? Est-ce qu'il est grand droite? C'est vous. Ouais. Donc toi, non, pas que nous, il y a eux aussi. Mais c'est-à-dire que quand même, toi, t'as vu, tu dois raser les murs. T'as vu, quand tu sors de Watts, c'est pour allumer ta clope et même pas, tu fumes chez toi, je vais t'enculer, toi. Fume chez toi. Mais c'est ce que je fais, je paye mon... Maintenant, toi, t'allais tirer sur des mecs de Watts impliqués qui sont au-dessus de toi. Mais du coup, tu vas régler ta dette, là. Et par quel moyen? Trouve avant que c'est moi qui trouve, parce que si c'est moi qui trouve, je vais t'es dans la merde. Je vais trop te niquer ta vie. Hein. Ça veut dire, vas-y. Mais je vous dois quoi? J'ai pas voulu tirer sur sa vête. Je l'aurais déjà fait sinon. Je fais rien du tout. T'as vu, après tu me dis d'arrêter de le frapper. Mais il ramène-moi la personne qui t'a dit ça. Je comprends même pas ce que je suis là. J'achète juste de la. Attends, de j'appelle le ciel. Attends, Seigneur. Non, personne va Bref, lui là-bas, il a le pétard. Il a dit c'est lui qui devait tirer et tout. Ah ouais. Non, mais ils veulent se protéger entre frères. Pourquoi t'as dit c'est toi, fils de pute? Et parce qu'il n'y a pas que lui qui a un pétard. Toi aussi, t'es pétardé. Bon, c'est juste que je me balade pas avec là parce que sort, je suis blessé. J'ai pris un coup de couteau. Regarde, t'as vu, tu vas aller le voir dans les yeux et tu vas lui dire ouais, c'est toi qui. C'est toi qui allais tirer et tout, c'est toi qui est pétardé et tout ça. Non, mais... Quoi? Si, tu vas faire ça. Si, tu vas faire mais t'as vu, tu fais un comportement en mode de tu lui fais comprendre que t'es en train de mentir, on t'a forcé à dire ça. T'as vu, je te jure. Genre là, tu vas là-bas et tu vas l'accuser que c'est lui qui voulait tirer. Tu vas l'accuser, tu vas sauver ton cul en fait devant lui. Allez, va. C'est des habitants? Ça va le comment? Il va quoi? Il va quoi? Oh là là, vas-y. Je viens de t'expliquer, vas-y, va le faire. Et si tu veux pas le faire, va, je veux pas, je te tue. Fais ton show. Attends, je vais rechercher une bouteille d'eau là. Ah ouais, tu l'as déshydraté ou quoi, ça veut dire? Ouais. Ma mère. Garde, me l'a fini. Dans le mal. Oh. Oh, en tout cas, ton frangin. Bref, vas-y. Ouais, attends, mais pourquoi il est au sol? Là, je sais pas. Pourquoi il est au sol? Vas-y, réveille-toi là, je te mets un peu d'eau sur le visage là. Hop.
Ah, c'est trop sauvage. Prends pour un con là, ce trou de balle. C'est toi qui avais les straps, là, c'est toi qui devais shoot, hein, cousin. Qu'est-ce que tu racontes? J'étais au tequila là. On commence même pas à raconter de la merde comme ça, toi aussi. Quoi? Quoi? Mais on parle pas d'aujourd'hui, frérot. Non, on parle pas d'aujourd'hui. C'est la première fois que je sors le strap, c'est parce qu'on est en embout. Tu m'as dit ramène-moi mon gars, il va dire, là il a dit, t'as quoi à dire maintenant? Oh, tu mens, parce qu'on en embout tout le blond, t'as shoot le blond l'autre fois là, à la soirée. C'est là. Même pas moi qui l'a shoot lui. C'est qui? On s'est juste planté. Mais je sais même pas qui c'est qui l'a shoot lui. On s'est juste planté autour du comedy club, il y a tout le monde. C'est pour ça qu'il s'est fait planter ce soir lui. T'es perché toi. Pourquoi je suis perché? Il y a moins de. Lui nous prend pour des cons. Ouais, moins fort. Moins fort mon gars. C'est la vérité de demander au crime. Rétrograde sur le mensonge, T'as vu tout le monde ici est au courant et a vu de ses propres yeux. Bref, c'est démissionné pour shoot moi et Mie. Ça veut dire, soit t'assumes tes conneries et tu te rachètes. De toute façon, on le sait, de toute façon, on a les messages, on a tout. On s'en bat les couilles dans tous les cas. T'as vu? Et dans tous les cas, c'était allé le faire, on le sait. Il y a des messages, des vocaux de vos voix, on peut pas faire mieux. Faut quoi? Faut t'attraper en flag pour Mais non, mais j'aurais assumé. Mais j'ai pas cheaté sans personne. Mais maintenant, j'ai même pas fait usage. Maintenant, il y a la punition. Et ça, vous savez ça quoi la punition? Vous deux, vous me faites les shooters, vous les tirez sur des grands de chez vous? J'aurais assumé, je vais pas tirer sur quelqu'un de plus grand que moi, je suis pas suicidaire. Ça fait 3 jours qu'ils nous ont demandé, mais on n'a rien fait, on n'allait pas le faire. C'est simple, t'as vu? Là, j'ai 2 bastos dans mon calibre. Ah, vas-y, crie, je fais pas ça. Non, regarde, messieurs, ça va être long. En mode western ou quoi? Ça va être long, les gars, j'ai 2 bastos dans mon calibre. Dis la vérité ou pas? Si vous voulez pas, vous les mangez. Mais de toute façon, c'est j'ai pas besoin de vérité, la vie ma mère, c'est eux, on a les vocaux. Juste peut-être que lui, avec le pull gris, il était pas chaud de le faire. En tout cas, débardeur blanc, la vie de ma mère, il a dit oui. Donc, m'en bat les couilles. T'aurais dû lui dire non, je suis pas chaud. Il a dit oui. En plus avec ta voix vocale et tout. Donc t'assumes. Maintenant les gars, tu sais, vous allez faire quoi? Tu sais, vous allez faire quoi ou pas? Là, vous êtes vous deux face à face, vous allez faire quoi? On s'entretue, je crois. Non. Tic-tac. J'y sais, voyons. Eh, vous allez vous galoche, tout de suite. Ah ouais, j'aime trop ça. Avec la langue. Ce que je veux dire, les gars. Avec la langue, vous faites les gars, Et vous allez vous galoche. Allez, shooter, on va vous prendre en photo comme ça. Chaque fois que vous faites les terreurs sur les réseaux, on va vous rappeler qui vous êtes. Après, on va prendre une photo. Et t'as vu ça dans la street, ça c'est chaud, hein? Ouais. Hein? Ah ouais, oui ou non? Mais regarde, et t'as vu la photo? Et vous allez taffer pour nous. Et le jour où tu fais le moindre petit pas de travers, tu fais pas ce qu'on dit, et ben la photo elle sort. T'as vu, elle leak. Et c'est en caleçon que vous allez vous embrasser, hein? C'est pas. Genre là, maintenant, dites-vous, vous taffez pour nous, là, c'est fini. Dire les gars, galochez-vous, tu vois, et préparez-vous là, un qui prend la photo, et retirez le haut là. Et après, allez, belle. Vous allez on travailler vous pour Norwatts, les gars. On God, sur le et sur la sur tête les de ma mère, c'est le taf que je vais vous donner, mais vous allez choper vos grands-mères. Hein. À chaque moment, vous allez risquer la mort, vous allez voir, vous. Vous allez vouloir me faire les mecs impliqués, et ben vous allez vous impliquer jusqu'au bout. Tiens, je te mets un peu d'éclairage pour la photo, quoi. Allez, on enlève les petits hauts, mes belles. Allez, mes belles, on vous attend. On enlève l'éclairage. Faut pas qu'on capte qu'ils se font braquer. Derrière moi, s'il faut partir dans un lit et tout. Hein. Non, vous voulez aller dans un lit ou déshabillez-vous maintenant? Venez, on va à Watts. Allez. Shooter, no lacking, no lacking. Ferme ta gueule, monte dans la voiture là. Un dans le 4x4 gris là, en passager. Et lui, celui qui a le pétard, pose-le, mets-le dans ma poche là. Viens. Reste là. Hop, c'est pas de pétard, j'ai pas de pétard. Bon. C'est qui? C'est lui? C'est moi, je l'ai mis. C'est lui qui a le pétard, Vas-y, hop, bien vu. Monte avec les autres. Non, on est trop vif, je pense. Vas-y, pas grave, on va juste à Watts. Vas-y, bah on monte. D'où, Guapo? Je sais même pas. Mais Guapo, il est pas bizarre. Des fois, il disparaît, il réapparaît. Il je crois qu'il a trop de meufs. Hein. La vie de ma mère. Putain, les assassins des réseaux, ils sont trop cool en vrai. Ah ouais. Allô. Ouais. Parti où? Je suis à Watts. Ah, vas-y, j'arrive. Allez.
Mais c'est stylé les gars dans la RP, là, là je vais leur donner des missions stylées, hein. Des trucs graves durés tout, hein. Ils vont choquer leur grand-mère, hein. Et la photo, c'est pour que c'est sûr que vas-y, parce qu'ils vont dire oui, mais ils vont aller balance, donc frère, faut être dans le... Ouais, allez. Faut les choquer un peu. Ah, il est en pierre, lui. Il a accroché. Errant. Attends, je l'arrange. Bienvenue. Et range celle-là, quand même. Venez là, il y a un salon. Ouais. Ouais, allô. Ouais, dis-moi. Ouais, chelou. T'as pas vu ce qui s'est passé là après. Ouais, t'es pas con, hein. Je vais jamais appeler ce fils de pute. Je suis en guerre avec lui, j'étais à l'hôpital, il m'a tiré dessus. Je savais pas qu'il était là. Il s'est passé quoi? Ça s'est réglé comment? Laisse tomber, vas-y frère, il a pris Chelsea. Mais cousin, pourquoi t'as ramené Chelsea toi aussi, cousin? On recrute des mecs. Des gens qui vont t'apporter. Voir ma gueule, elle commence à faire la loveuse là dans mes oreilles là. Casse les couilles, cousin. C'est ta faute du... ça. Ben ouais, mais pourquoi quoi, tu l'as pris dans ton set, même si moi, pas moi, cousin pour... Ah, parce qu'elle voulait vraiment venir pour me voir. Mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? La tête de ma mère. Elle sait pas, je suis passé à autre chose. Elle veut quoi? Un iPhone 12 dans la tête, sa grand-mère? Elle veut quoi? Allô? Mais je lui parle pas, je l'ai bloqué, cousin. T'as niqué son corps et elle me dégoûte. C'est mort. T'es mort, t'as mis 2 balles, cousin, dès que je la vois, elle a deux grosses balles, là, non, c'est pas possible. T'as vu si elle parle, cette salope, j'espère qu'elle va pas parler à rayer ça. Là. Où tu vas? Cousin. Jamais t'as torse nu. Mais pourquoi tu l'as ramené? Pourquoi? Mais pourquoi tu l'as ramené? Pourquoi? Vous voulez te voir, ma gueule, vous voulez te voir, ouais, creepy, à ton avis, à moins d'arranger avec lui, y'a moyen. Tu l'as pris dans ton set, tu l'as pris dans ton gang. Non. La vie de ma mère. Je l'ai dedans, moi, c'était facile à sortir. Elle a envie de s'endurcir, je vais pas te mentir. Mais qu'elle s'endurcit, t'as vu? Tout ce qu'elle peut, hein, elle peut endurcir que des bites, c'est tout ce qu'elle peut endurcir. Frérot, Ghost Dog, j'suis en train de niquer des mères, là. On se dit, à main 2, hein? T'es à main 2, hein? Vas-y. Si. Attends dehors, attends. Non, mais moi, je pense, y'a pas un lit ou quoi? Ouh, viens, viens, dedans. Après, les chambres, frère, des vrais liens. Attends, je vais chercher. Viens, va là-bas. À droite. Il est où le deuxième? Il est où? Ah, même debout sur le lit, là. Tant qu'ils sont en caleçon, ils se galochent, moi, ça me va. Vas-y, mets-toi là. En vrai, il y a une meilleure chambre là-bas. Ah ouais? Bah, viens, fait... ramène-le. Viens, suis-moi. C'est bien ta vie, amour. Il est où le deuxième? Il est où? Il est parti pisser là. Hein. Il va au fond là. Ici. Vas-y, rentre. Là, cette pièce là, ici. Là, frérot. On est sur le lit maintenant. Wallo. Je peux avoir mon téléphone ou pas? D'accord, avant qu'on partait. Tu l'as? Ah non, c'est Zach? Ouais, c'est ça. On va pas partir, frérot. On va te regarder de galoche, hein. T'inquiète. Merci. T'inquiète pas. Bah, je crois qu'il est mon... Attends. Y'a quoi? Je peux prendre mon téléphone ou pas? Ouais. Ah, il t'appelle. Ah ouais. Ah, il est là-bas? Ouais, il est à l'endroit. Vas-y, va le chercher. Va le chercher. Vas-y. Quoi, en attendant, tu peux me faire... J'avais envoyé une pause. Tu peux me faire un twerk, quoi. Attends, j'ai envoyé sur la pause. Non, dis-lui, ça arrive, le chercher. Vas-y, je lui dis ça. Je vais les envoyer shoot les people, les deux. Allô, t'es où? Je vais faire des trucs de fou, frère. Bah, faut que tu viennes... ça arrive de te chercher, je crois. Ils sont là ou pas? Vas-y, bah viens au... Ah, what? Vas-y. Non, mais je vais faire petit à petit. Vous avez pas un peu de froid? Un peu de quoi?
De froid, là, j'ai trop mal au crâne. Un peu de froid. Un peu de glaçon, je veux dire. On appelle ça du froid. Hein? Oh, ouvre la bouche. C'est trop froid. Eh, vas-y, twerk! Oh! Vas-y, vas-y. Eh ouais, c'est ça les vraies punitions, hein. Punitions traumatisantes. C'est comment on les appelle ceux-là, creepy, dans le milieu? Quoi? Les netbangers. T'as vu, ils sont ouais. Gang que sur Internet. T'as ma mère, sur Internet, t'es cagoulé, dans les rues, gants, là, tout, hein. Ah, tu là. Me fais le tueur en T-Max, là. Hein? Y'a pas d'Yamaha, y'a rien. C'est les États-Unis ici, tu vois. Tu pars sur les réseaux, t'attrapes en vrai. C'est la mort. Mettre en condition. Vas-y, vas-y. Oh là là. Vite. Voilà, oh, reste comme ça. Des trucs comme ça, toi. Ouais. Ouais, lourd, 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 lourd. Vas-y, continue, continue, là. Vas-y, là. Oh, ouais. Et face à nous, face à nous, face à nous, arrête de faire le con. Ah, ils sont reviens face voilà. À nous, là, voilà, avec ça, le bon vas-y. Petit drapeau là. Allez, vas-y. Face à nous, face vas-y. À nous. Voilà. Allez. Vas-y, vite, 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 vite. Après, tu viens une plus grande chambre, hein, mais vas-y, celle-là, s'il y a deux places, c'est bien. Allez, entre. Oh la chienne. Vas-y, vas-y, va. Enlève ton débardeur. Et le bas aussi, enlevez vos bas aussi. Et va au fond, va au fond. Et décalez-vous les deux. Guapo, décalez. Vas-y. Va sur le lit, toi. Enlève ton pantalon, là. Enlève les pantalons. Aussi, enlève ton pantalon, là. Même les chaussures. Même les chaussures. Oh, la porte, la porte. La porte. Eh, frérot Zach, c'est bon, arrête de danser. Et enlève ton bas. Enlève ton bas. Je crois qu'elle aime trop. Ouais. Tu rejoins ta copine, toi. T'as, il saute sur le lit, toi. Là, ma belle. Ah ouais. Big mur. C'est ça les shooters. Putain, t'es trop matrixé par son marche bon, on abuse, mais vas-y, c'est drôle. Ah ouais, regarde d'ailleurs, frérot. Bon. Je compte sur toi pour une bonne photo. Vas-y, attendez. Attends, faut il faut de la place, il faut de la place. Il faut de la place. Mais prenez pas tous. Il y a que moi qui prends. Je bouge. Rien de qualité Netflix, lui. Il y a que moi. Vas-y, sortez. Et réfléchissez bien, la prochaine fois qu'on vous dit ouverte, ouais. Laisse la porte ouverte, vous voyez. La prochaine fois qu'on vous dit faut tirer sur Sauvette, je sais pas quoi. Les gars, hey, je veux de l'amour, hein. Allez, quand vous voulez, les gars. Hey, les gars, oh. La porte. C'est vige. On doit fermer. Mais non, mais tu me l'as mise. Attends, Justin qui, ouais, Justin qui se met là comme ça. Qui la bloque pas. Comme ça. Vas-y, vas-y, rentre. Vas-y. Voilà, carré. Ok. Bien vu, Sauvette, je me tiens à la porte, hein, bien vu, mon pied. Hey, les gars, de l'amour. Et du sexe là. Ah ouais, quand même. Oui. Bonjour. C'était un bon début, c'était un bon début. Ouais. Faites d'autres pauses les gars. Putain. Non, j'aime trop. Non, c'est Hot Fever Narwhals, vraiment. Ça, c'est du Watts là. Faites les assassins sur Internet. En fait, t'as vu. Je crois qu'ils voient pas les calibres là, une merde. Non, non t'es vrai, bisous pas, les gars. Kiss. Kiss. Vas-y. On y est. Kiss. Quoi? Tu faisais le tueur, non? Kiss. Galoche le ferme ta gueule maintenant. Kiss. Kiss, fils de pute. Ouh. Putain, attends, mais c'était pas. Okay. Faites un autre. Ça fait, je crois que c'est bon. Abusez pas, les gars, wesh. Kiss. Comment ça, abusez pas? Tu t'as essayé de me tuer, tu me dis abuse pas. Ferme ta gueule, monte, galoche le. La mère, tu veux mourir à poil ou quoi? Là, il y a une mère. Ah là là, les gars, hey. Quand tu fais des trucs, t'assumes. Ma mère, on me fait ça, je... La prochaine fois, prenez vos petits sacs, vous rejoignez les mecs de Del Perro à l'université. Voilà, propre. Voilà. C'est bon. C'est pas fini. venez. C'est pas fini. Venez. On va aller dans la douche. Ça y est. Vas-y, c'est de l'abus, hein. Oh non, j'abuse. Ouais, on peut abuser. Pleure moins fort, frérot, et voilà. Vas-y, shoot-moi, tu sais quoi, shoot-moi. Mais c'est bon, je rigolais. Ah, j'ai pleuré, oh là là. En tout cas, la photo va pas sortir si tu fais pas le con. Eh ouais, frérot. Hein? Ah bah ouais. De toute façon, c'est simple, hein, les gars. Eh, hein. Hey, les gars, t'as j'ai pas d'ennemis. Ouais. Je me fais shooter dans la semaine, je viens, je vous tue. Voilà, j'ai pas d'autres ennemis que vous. Voilà. Merci bien. Non, mais là, mais c'est vrai, je t'ai pas compris. Là, ils vont shoot pour nous.
Et t'as vu déjà demain. Vous êtes là? Ouais. Ouais, demain, t'as vu demain. Dès que je vois, je vais être à un endroit quelque part, je sais pas. Je vais voir un mec, t'as vu, je t'envoie une pause, je te dis lui, tu viens, tu lui tires dessus. T'as compris ou pas? Vous avez compris? On me faut tout, toujours comme ça. T'en as frérot, il en a ton poteau. T'inquiète pas. Ouais. C'était avec les people, vous l'a racheté. Dans la king. Si vous voulez de la mettre, on vous en vend si vous voulez. Vous êtes pas ça ou vous êtes dans la bœuf, comme des petits trous de balles? Non, t'inquiète. C'est bon, t'es choqué, t'as galoché ton pote ou quoi? Tu sais, je galoche mon pote banal, regarde. Normal, hein. Après, on est pas dans ces délires là, tu vois, mais vas-y. Toi, t'es raciste. Comment ça, raciste? C'est quoi, j'aime de galoche là. On va te montrer c'est quoi le love. C'est quoi l'amour? Ouais, oh, creepy. 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 Ouais, c'est rien. Normal, hein. Merci, toujours. Bref, ça veut dire demain je t'envoie une pause, tu viens direct. Vas-y. T'as compris? C'est la dernière fois que vous inventez une vie, hein, les gars. Et ma mère, c'est la dernière fois que quelqu'un il vous dit tu shootes les grandes chez toi de là. Et tu ma dis mère, oui, hein. Réveillez-vous. Hein. T'as compris ou pas? Vas-y. Les gars, non, what's hein? Ça ou pas? What's toujours? Hein? Faites le signe. Faites. 3, 2, vous pouvez pas, hein? De salope. Et maintenant, vous allez. Et vous habitez là. Changez-moi votre appart à plein agent immo. Vous êtes ici. Moi, je vous baisse vos mères, là. Et y'en a, vous faites buter le truc ou quoi? Je m'en. T'as vu? On sort un son sur ça. T'as vu la cover? Ça va être vous deux en train de vous galoche. Ouais. Ça va en vue, quoi. Ah ouais. Hein? Non, ça va aller, tranquille. Ouais, vas-y, les gars. Bah, demain. Hein. Préparez-vous. Vas-y. Vous shootez bien. Vas-y. Hein. À demain, mes habitants. J'ai tout couille leur plaid. Sur le set, personne va me saboter. Là je vais te fumer, tu vas arrêter de craboter. Et personne va t'aider fils de pute, tu as pris la C. Tes narines sont dilatées, t'as sucé tout El Bourreau. Mais au final les mecs arrêtent, quand même kidnappé. Ta père c'est enchantant, la mère à la dagoune. Mais là t'as switch.